Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, le micro est un petit peu haut. Bonjour, bonjour, bienvenue dans abonnez-vous matin sur la chaîne Twitch de Mediapart. On va lire de l'actualité, on va lire les articles de Mediapart ce matin. Euh, bonjour tout le monde, bonjour à celles et ceux qui ne font pas le pont. Voilà, la France, la France qui travaille dur, bien sûr. Euh, C'est très important. <laughs> J'espère que vous allez bien, j'espère que le son est bon, l'image est bonne. Voilà, j'ai fait des petits réglages bien sûr en termes de, euh, en termes de luminosité. Euh, bon, je vois qu'elle reflet de mon écran dans, le, dans la fenêtre, mais c'est pas très très grave. Euh, normalement vous ne voyez pas, bien sûr, tous les secrets qu'il y a sur cet écran d'ordinateur. Vous entendez bien, j'espère que vous voyez bien que l'image est bien. Le chat n'est pas encore dans l'arbre, bien sûr. <laughs> Abonnez-vous maintenant, c'est le moment où tu te rends compte qu'un mois est déjà passé. Eh oui, eh oui. Euh, eh bien écoutez, euh, je vous refais le programme comme d'habitude euh, qui n'a pas changé. Hein, le programme d'abonnés vos matins est toujours le même. Euh, on va commencer euh, à 7h05 par Culture Part ou euh, Culture Part pour euh, les connaisseurs et les connaisseuses. À 7h20, on va parler du club de Mediapart, c'est le club bien sûr sera euh, là avec plusieurs articles notamment sur la question des exilés sur la question des migrants euh, dans le club de Mediapart, on va essayer de lire quelques articles de façon euh, de façon euh, tranquille et puis à 7h40 c'est la partie sur l'actualité internationale. Alors j'ai choisi comme thème d'actualité internationale l'extrême droite en Italie parce que j'ai vu que Mediapart avait fait un dossier sur le sujet, c'est l'occasion de lire quelques articles là-dessus à 8h on va parler Petite actualité en plus avec, euh, avec la, la, la polémique, la polémique dans la tourmente bien sûr, avec Raphaël Glucksmann qui s'est fait euh, expulser d'un cortège du 1er mai à saint étienne On va parler de la gauche en campagne, alors on ne va pas lire d'article là-dessus puisqu'il n'y en a pas. Euh, pour le moment euh, sur euh, Mediapart, mais euh, on va parler d'autres articles puisque je vous rappelle qu'on est sur un mois bien sûr d'actualité sur le site de euh, Mediapart. Donc on aura la gauche face aux assauts du RN à Alès, avec notamment euh, et aussi des carnets de campagne de la gauche à Béziers. Voilà des articles de Mediapart euh, qui euh, bien sûr euh, parlent de euh, campagne dans des endroits euh, différents en France. Parce que je condamne... moi, je condamne les violences. Hein, bien sûr, je suis là euh, depuis euh, bah, depuis cinq heures ce matin. Euh, vous pouvez demander bien sûr à tout le monde, euh, depuis 5h ce matin, je condamne les violences, absolument toutes les violences. Euh, ne vous inquiétez pas là-dessus, moi je ne fais que ça, bien sûr, c'est mon activité principale de condamner les violences. Alors, à 8h35, c'est euh, le Média Partenaire, après l'actualité politique, le Média Partenaire, bien sûr, euh, qui sont les euh, sites qui sont euh, en partenariat avec Mediapart. D'ailleurs je pense que je vais juste modifier un petit peu l'horaire pour que ce soit plus équilibré. On va mettre 7h30 pour le média partenaire. Comme ça il y a 5 minutes de moins d'actu politique et 5 minutes de plus pour le, le partenariat. Je pense que c'est pas mal. c'est ne pas ce que vous en pensez mais ça me paraît plus équilibré que 35 minutes 15 minutes. Hop, je change juste l'horaire. Voilà ça me paraît pas mal. Et à 8h50, c'est le conseil de la rédaction, la rubrique qu'on a ajoutée la dernière fois, avec bien sûr des journalistes, mais pas que des journalistes. Là, on a notamment la DRH de Mediapart, tout ce qui a amené un conseil. Donc des articles autres que Mediapart qui ont été appréciés par les personnes qui travaillent à Mediapart. Et j'ai dit énormément de fois, Mediapart, en même temps, c'est un petit peu, peu l'ambiance, quoi. Euh... Est-ce que je vous ai tout dit pour ce matin Oui, écoutez, c'est à peu près tout. Non, le chat n'a pas été condamné à la prison des chats ce matin. Pour l'instant, il est calme. Pour l'instant, il est apaisé et tranquille avec un arbre à chat considérable. Euh, là, vous voyez que le haut de l'arbre à chat, vous ne voyez pas la partie détruite par le chat. C'est pas mal. Euh, mais le chat, pour l'instant, ça va, mais ne, ne, ne nous portons pas la poisse. Nous nous portons pas la poisse et espérons que euh, ça continue comme ça pendant toute la euh, durée d'abonnez-vous matin ou de la Média médiapartinale. Bien sûr, certaines personnes euh, veulent faire croire qu'on dit euh, la Média médiapartinale, mais c'est un scandale, bien sûr. Je n'inciterai jamais personne à dire Média Partinal. On ne peut pas dire euh, Média Partinal, bien sûr, euh, sinon ça voudrait dire que je répète le mot pour euh, que les gens euh, le retiennent et ce serait scandaleux. Médiapartinal. Écoutez, il est bientôt, il est presque 7h05. Il est, il est quasiment 7h05, il est 7h. 7h04, 7h05, dans une seconde. Et eh bien écoutez, il est plus que temps de passer à la première rubrique. C'est euh, Culture Part. Attendez, j'ai fait un petit jingle en plus. Est-ce que, fait... est que le jingle a été enregistré Le jingle n'a pas été enregistré, c'est un scandale. Alors attendez. J'ai oublié de sauvegarder, voilà, c'est pour ça, c'est très, mal... très malin de ma part. Donc si je vais là-dedans et que je charge transition, voilà. Et je sauvegarde. Normalement, c'est bon. Et donc, je peux faire ça. Le jingle qui fonctionne, incroyable. Alors, on va en mode normal. Je me réduis de taille. Ce n'est pas normal. Normalement, je ne suis pas. Ah, ça, parce que ça a capturé l'autre fenêtre. D'accord, c'est pour ça. Alors, attendez un instant. Je résous ce problème. Je résous ce problème, bien sûr. Immédiatement. Le voici, le voilà. Le site internet de Mediapart, ne vous inquiétez pas, on verra beaucoup mieux. On a entendu Windows, oui, c'est Windows totalement qui, qui, qui me, me, me soulignait que j'avais sauvegardé. Alors, je voulais commencer, je tenais à commencer par un sujet qu'on a peu abordé, euh, qu'on n'a pas du tout abordé, même, puisque Mediapart, pour euh, la, euh, les 50 ans de la révolution des œillets, de la chute de euh, Salazar au Portugal, Mediapart a fait un dossier en 6 épisodes. On a euh, pas mal d'articles dedans, il y en a un que j'ai choisi en particulier, que euh, j'ai lu, euh, euh, qui était particulièrement euh, éclairant, intéressant, sur la nature du régime de euh, Salazar. Oh là là, et Bibi Glace, bonjour Bonjour le vélo aussi, je vois des, des noms connus bien évidemment. Le texte est coupé, ne vous inquiétez pas, regardez ça Regardez ça en fait Et voilà, le texte n'est plus coupé. Est-ce que c'est pas incroyable Est-ce que tout n'a pas, euh, pas été calculé pour que le texte ne soit pas coupé euh, C'est euh, pas mal, bien sûr. Et donc... La... Non, ce n'est pas la gare, merci Code pour cette blague. Euh, ce n'est pas la gare Salazar. Ça, ça mérite bien un petit tambour, bien sûr. Euh... Ouais. Salazar, voilà. Donc, euh, la dictature de euh, Salazar qui euh, a donc... Euh, C'est tombé il y a 50 ans. C'est le thème de donc, cette, euh, ce dossier de, de Mediapart. Alors vous voyez que le dossier, il euh, y a six épisodes. Il hein, y, a, y, a, y a plusieurs articles. C'est très le matin. Bonjour l'extud. Oui, c'est très très le matin. Là, on est, euh, on est au début, au balbutiement de la Mediapartinale. Hein. Ou de abonnez-vous matin, selon comment on se place. Euh, donc. Article de Fabien Escalona hein, sur euh, un entretien avec l'historien Yves Léonard qui euh, s'interroge sur euh, le, la nature du régime de Salazar. C'est vrai que c'est un régime dont on entend assez peu parler, finalement, sur lequel on revient assez peu euh, avec cette idée. Peut-être que finalement c'était un régime autoritaire, mais euh, ça va, c'était pas si pire. Euh, bah, évidemment, c'est faux. Et puis on va essayer de voir un petit peu ce qu'il en est avec cet article. L en 1974, le régime salazariste était devenu un état policier aux abois. C'est donc l'historien Yves Léonard qui revient sur cette, euh, cette dictature, une biographie du dictateur euh, portugais Salazar qui a été publiée. Le régime a été renversé, voici 50 ans par la révolution des œillets. Il revient euh, sur les facteurs de longévité de son autoritarisme passéiste qui n'a pas survécu aux guerres coloniales. Petit moment lecture, bien sûr. Bienvenue aux, aux followers qui follow. J'ai l'impression que le live chat ne fonctionne pas. C'est un petit peu mystique. Est-ce que la, tchat, la, la, la boîte du chat, si elle fonctionne, c'est bon Eh oui, le chat. Merci pour le test. Donc, euh, c'est un entretien sur Salazar. Il y a 50 ans, s'effondrait le régime dictatorial, édifié autour d'Antonio de Oliveira Salazar au Portugal, né en 1889 et euh, décédé en 1970. Donc, le régime est tombé quelques années après sa mort. Hein. Il y avait ses descendants qui étaient. Euh, ses descendants, pas euh, directs en termes de. Euh... <laughs> le chat qui miaule, bien sûr, hein. pas important. Euh, pas ses descendants euh, du so de sang, mais ses descendants politiques qui avaient pris, euh, qui avaient pris le pouvoir. Euh, le dictateur était déjà décédé hein, il y a 4 ans, après avoir dirigé le pays durant plusieurs décennies en tant que président du Conseil. Entouré d'une poignée d'experts, les tentatives de prolonger son œuvre ont fait euh, long feu, mais celle-ci était déjà percluse de contradictions insolubles. Hein, on rappelle que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire long feu, ça veut dire ne pas durer longtemps. Un long feu donc c'est un feu qui, euh, qui brûle très fort mais pas longtemps c'est l'expression bien sûr souvent on dit fait pas long feu pour euh, voilà, le chat qui vient vous dire bonjour bien sûr euh, mais celle-ci était déjà percluse de contradictions insolubles yves léonard historien et enseignant à sciences po paris a consacré une biographie à ce euh, moine dictateur atypique héros d'un portugal des horloges arrêtées donc euh, extrêmement euh, extrêmement euh, conservateur dans un entretien donc dans un, dont le caractère effacé masquait la brutalité et l'affairisme d'un régime liberticide. Chronique de euh, David Castello-Lopez. J'ai entendu parler de cette chronique de David Castello-Lopez. J'ai vu que Hexatron euh, avait dit que c'était scandaleux parce qu'apparemment il était un petit peu en mode c'était pas, si, pas si pire. Mais j'ai pas vu la chronique donc je peux pas trop en parler. Euh... Voilà. Donc il y, y a des... Euh... Faire Feu se dit d'un fait d'une circonstance qui traîne en longueur. Ah oui, donc il y, y a des analyses différentes de cette expression. Donc on peut dire ne pas faire long feu ou faire long feu pour deux sens euh, opposés. C'est très bien, c'est très pratique le français. Félicitations. Euh... Dans un entretien à Mediapart, donc l'historien revient sur les caractéristiques de l'Estado Novo, le nom pris par cette dictature à partir de 1933. Qualifier le régime de fasciste, explique-t-il, s'est passé à côté de sa compréhension fine, notamment de sa durée. Donc il dit que c'est pas directement fasciste, mais bon, c'est pas parce que c'est pas. Euh... Euh, c'est pas totalement du fascisme, que c'est pas un régime, euh, un régime autoritaire. Donc, question de euh, Mediapart, le 25 avril 1974, la révolution des EIM était à bas la plus ancienne dictature d'Europe occidentale vieille d'un demi-siècle. Quels ont été les euh, facteurs de cette longévité? Il faut bien sûr mentionner celui de la répression privilégiée par un courant historiographique dont Fernando Rosas, l'auteur de l'art de durée est représentatif. De fait, ce régime s'appuyait sur une police politique ainsi qu'une justice aux ordres. Je vais te zoomer un petit peu un chouilla. Voilà. Encore une fois, incroyable. Voilà. Euh, une police politique ainsi qu'une justice aux ordres euh, avec des tribunaux spéciaux et des camps de détention extrêmement durs. Une véritable administration de la peur a été organisée, mais à mon avis, d'autres facteurs doivent être pris en compte pour comprendre cette longévité. Le plus évident est le contexte international dont Salazar a joué avec une certaine habileté. Cela a été vrai pendant la Seconde Guerre mondiale, à laquelle le Portugal n'a pas pris part. Mais aussi et surtout pendant la guerre froide, il a pleinement utilisé le ressort anticommuniste pour euh, s'insérer dans l'Alliance atlantique. Donc il a pu euh, jouer de façon assez fine euh, aussi avec, euh, avec l'Alliance atlantique qui était quand même majoritaire sur le continent européen. Au contraire de son homologue espagnol, le général Franco, à partir des années 1960, en revanche, l'obstination de Salazar à mener des guerres coloniales... L'a mis en porte à faux avec l'évolution des rapports de force internationaux. À l'époque, dans l'Europe, il y avait quand même, bon, toute l'Europe centrale et orientale qui était dans le bloc soviétique. Il y avait l'Espagne de Franco, le Portugal de Salazar, et il y avait la dictature des colonels en Grèce, notamment donc plus quand même plusieurs dictatures militaires. Euh, mais il y avait quand même toute l'Europe occidentale, la plupart de l'Europe occidentale qui était dans le bloc euh, dans l'alliance atlantique. Et lui, il a su euh, jouer sur l'anticommunisme pour se rapprocher et se dire bon euh, l'alliance atlantique elle va pas trop m'embêter si je tiens un discours anticommuniste voilà et c'est ce qui s'est passé ça a fonctionné il ne faut pas nier non plus que des secteurs de euh, la société portugaise ont accepté sinon adhéré à son projet pour le portugal il consistait en une volonté de figer le pays dans l'ordre immuable des choses selon une conception passéiste provinciale et rurale et dans laquelle la mobilité sociale devait être le plus réduite possible Vraiment vision d'ancien régime, hein, et apparemment c'était vraiment un des pierres angulaires de son régime. Ça je ne savais pas, je l'ai appris en lisant l'entretien. Cette vision avait le soutien massif de l'Église catholique euh, et des notables cooptés par le régime et était rendue acceptable par une partie du peuple à travers des mécanismes de favoritisme et de clientélisme. À ce cocktail s'ajoutait enfin la personnalité de ce dictateur atypique qui ne suscitait pas tant l'admiration que le respect, certes fortement teinté de peur, mais lié à son image de professeur universitaire cultivé délivrant un discours de sagesse, ayant épargné à son pays la participation à la guerre mondiale. Et c'est vrai que ça, en termes de propagande, je, je suppose que c'est assez euh, efficace, assez puissant, vu qu'il euh, a évité euh, la boucherie de la Seconde Guerre mondiale au Portugais. Vous écrivez en faisant un clin d'œil à une formulation du général de Gaulle que Salazar portait une certaine idée du Portugal. Quelle était-elle Alors, Salazar n'a pas produit une œuvre théorique, mais c'était un homme cultivé, euh, qui avait lu beaucoup de choses sur l'histoire de son pays et des auteurs comme maurice barrès un auteur euh, euh, d'extrême droite français hein. il en avait retiré un nationalisme tellurique attaché à la terre et aux morts et une lecture providentialiste de son rôle celui d'un homme voué à faire renaître le portugal victime d'un long déclin depuis l'âge d'or idéalisé de son expansion maritime au xvie siècle salazar n'a jamais euh accepter l'héritage des Lumières, de la Révolution française et de la Révolution libérale qui a eu lieu au Portugal en 1820. Selon lui, le libéralisme politique du 19e siècle, qui s'est exprimé sous la monarchie comme sous la Première République, a empêché de conjurer le déclin du pays. Il fallait donc agir en réaction contre ces libéralismes. Le terme réaction réactionnaire, bien sûr, c'est lié. Cette conviction était aussi nourrie de pensées religieuses. Salazar puisait sa réflexion dans des textes religieux anciens ou plus récents. Comme certaines encycliques sociales du pape euh, Léon XIII. Donc religiosité, passéisme, euh, rejet euh, du euh, libéralisme au sens du libéralisme politique et pas du libéralisme économique, euh, idée d'un déclin. Euh, et ce qui est assez intéressant, enfin ce qui est assez contradictoire, euh, en disant l'entretien, le, c'est qu'on se dit en fait il est, il, le Portugal est en déclin selon lui, et donc pour, euh, pour arrêter ce, ce déclin, il faut figer le Portugal dans le temps. Donc figer quelque chose pour empêcher un déclin, c'est assez intéressant. Euh, donc euh, il ne dit pas qu'il va refaire remonter, on dirait juste qu'il veut arrêter le déclin. Et l'idée aussi que les inégalités sociales, on ne revient pas sur les inégalités sociales, pas d'ascension sociale. Euh, tout cela s'est traduit dans le contenu euh, de la faible instruction qui a été dispensée aux jeunes portugais. Salazar considérait qu'il fallait leur faire aimer la grandeur du Portugal, capable de force et de rayonnement, pourvu qu'il soit débarrassé des déviances observées depuis les Lumières. Bien sûr, il s'agissait d'une histoire nationale complètement tronquée et idéalisée. Il est aussi ironique que l'exaltation de la dimension maritime du Portugal a été portée par un homme qui n'a quasiment jamais voyagé ni mis les pieds dans les colonies du pays. Question euh, également sur les possessions coloniales. Pourquoi Salazar... A-t-il fait preuve d'une telle obsession pour conserver les possessions coloniales du Portugal jusqu'à s'arrêter dans des guerres que même la hiérarchie militaire contestait Encore une fois, Salazar insistait sur la singularité de son pays, petit rectangle européen, ayant connu une aventure maritime démesurée. Il pensait bon de marteler cet exceptionnalisme portugais pour créer un élan collectif. C'était intéressé, car jusqu'à la fin des années 1920, il était assez critique du coût financier du colonialisme. Il s'agissait clairement d'un discours compensatoire, un substitut à l'absence de liberté et de débat public. En gros, il disait aux Portugais, soyez fiers de ce que vous êtes, des héros de la mer au passé glorieux, et pour le reste, vivez humblement avec le soleil, une table bien dressée et un verre de vin, et ne cherchez pas à vous mêler des affaires publiques. Hein, la guerre, les conquêtes coloniales, comme contrepartie, euh, comme contrepartie à un régime autoritaire. En 1930, il est devenu euh, ministre. Euh, par intérim des colonies et a promulgué un acte colonial qui a perduré jusqu'au bout de la dictature. Ses principales dispositions ont été intégrées dans le bloc de constitutionnalité de l'Estado Novo. Je rappelle pour les personnes qui nous prennent en route, l'Estado Novo c'est le nom du régime portugais sous Salazar, l'État nouveau. Pour Salazar, le Portugal ne pouvait pas se penser sans ses colonies, on ne pouvait pas séparer le continent ibérique de ses projections ultramarines. Le discours a évolué passant de l'exaltation du fer impérial à celle du génie colonisateur portugais, valorisant une supposée propension au métissage, l'idée que les Portugais étaient chez eux en Afrique comme ils l'étaient dans les provinces de la métropole. C'est ce que l'on a appelé le lusotropicalisme. A partir de 1945, l'attachement est devenu un point central de la politique extérieure du pays, en dépit des remontrances des grandes puissances et des Nations Unies, évidemment. Euh, après, euh, après 1945, la question. Euh, C'était plus, plus compliqué de maintenir un empire colonial. D'ailleurs, ça a été le début hein, de, des indépendances. Salazar n'était pas un militaire, mais un universitaire qui s'est entouré de techniciens de l'administration dans un régime dont les assemblées et les ministres comptaient fort peu. Peut-on parler d'une expertocratie, d'une mobilisation du savoir comme ressource de domination Donc, réponse de, euh, de, de l'historien tout son mode de gouvernance a en effet consisté à s'entourer d'un petit cercle d'experts, à mettre en avant ses qualités de bon gestionnaire. Dans les premiers mois de son arrivée au pouvoir comme ministre des Finances, il a produit un discours classique de rétablissement des comptes publics, en présentant la vertu financière comme un chemin vers la restauration d'une forme d'indépendance pour se libérer de l'emprise de la place financière de Londres. Ce discours... Ouais, l'entretien est vraiment intéressant, bien sûr. Ce discours reposait euh, sur les raisonnements en cours dans les années 1920 que l'on retrouvait en France chez les responsables politiques de centre-droit, comme Raymond Poincaré et André Tardieu. Sa politique austéritaire, qui a fait renouer le Portugal avec des excédents budgétaires, a d'ailleurs suscité beaucoup d'admiration. Certains chantres du néolibéralisme naissant, comme l'économiste Friedrich Hayek, s'intéresseront de près au modèle salazariste. Sa le chat qui m'a attaqué de façon euh, totalement. Euh... <laughs> totalement gratuite il est, pas... il est contre salazar je pense le chat je pense que ça doit être ça mais bon en tout cas l'entretien l'entretien est intéressant il y a plusieurs éléments dans la spécificité du la spécificité du régime de salazar que je ne connaissais pas du tout que j'ai découverte en lisant cet entretien euh... contre salazar ouais euh, notamment sur le colonialisme, sur la question d'austérité, sur la question du passéisme, euh, sur la question euh, de, du rôle des colonies dans son, dans son régime. Voilà. Donc, très intéressant. Donc, entretien de euh, Fabien Escalona avec l'historien Yves Léonard, qui a donc euh, consacré un ouvrage à Salazar à l'occasion des 50 ans de la fin de la dictature. Allez, on continue bien sûr dans Abonnez-vous Matin avec euh, la rubrique suivante. On va euh, s'intéresser au club de Mediapart. Le club, bien sûr, je représente peut-être le club, encore une fois, le club de Mediapart, l'espace participatif de euh, Mediapart. Tout le monde peut euh, publier euh, un, euh, un article sur le club de Mediapart. Je vais vous montrer un petit peu la une qu'il y a en ce moment. Euh, la thématique du jour, cette jeunesse qui sauve la démocratie. On a euh, un, un article sur une rencontre, un débat sur avoir 20 ans à Sainte-Soline. Euh, plusieurs articles sur euh, Gaza, euh, on a euh, des critiques cinéma, on a culture et idées sur la gauche et son imaginaire, voilà plein plein d'articles avec simplement une charte. Euh, alors il y a une charte pour les journalistes et il y a une, une, des règles évidemment pour les personnes qui publient des articles, mais les articles euh, sont modérés après coup. Euh, donc voilà, vraiment une publication euh, libre dans le club de Mediapart. Alors je vous ai sélectionné. Il euh, n'y a pas, même pas un vigile à l'entrée du club qui vérifie, euh, qui vérifie votre tenue. Hein. Même vous pouvez, rentrer, euh, euh, vous pouvez rentrer comme ça. Voilà, donc euh, le club est un espace libre et ouvert dédié à nos abonnés. Vous pouvez créer votre blog, écrire, exprimer vos pensées librement, participer aux débats d'idées, échanger avec les autres abonnés et avec la rédaction. Euh, vous avez euh, pour aller au. Voilà, voilà vous voyez ça. Euh en petit là sur le côté, euh, c'est un petit peu coupé, mais allez au journal et depuis le journal de l'autre côté, vous pouvez aller au club. Euh, tout, à, euh, tout à droite de la barre d'outils de Mediapart, vous avez une petite flèche avec marqué le club qui vous permet de vous rendre dans ce euh, lieu mystérieux et plein de contrastes. N'importe quoi. Donc, plusieurs articles que j'ai sélectionnés. Euh, le, euh, la question des exilés, la question... Euh, de euh, l'immigration. Euh, je veux profiter de parler euh, notamment du Soudan, puisqu'on trouve notamment sur le club de, euh, 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 sur le club de Mediapart, euh, à gauche. <laughs> euh, sur le club pour aller au journal, c'est tout à gauche, et sur euh, le journal pour aller au club, c'est tout à droite. Soudan, une année de guerre insensée et de violence extrême contre la population. Donc c'est un article de euh, Sudfa, un, un média participatif franco-soudanais. Donc c'est ce genre d'expérience que permet aussi de mettre en avant le club de Mediapart, là un collectif avec des Français et des, euh, des exilés soudanais qui écrivent dans le club 87 billets hein, pour l'instant. Donc je vais lire un de ces billets sur la guerre au Soudan. La guerre au Soudan a éclaté le 15 avril de l'année dernière et continue jusqu'à aujourd'hui de ravager le pays à l'occasion de ce triste anniversaire. Nous revenons sur l'année écoulée. Malgré les chocs et les horreurs euh, auxquels la population est confrontée au quotidien, les Soudanais et Soudanaises continuent de se mobiliser pour réclamer la fin des combats et le retour à une transition euh, démocratique. Alors, bon, sur la guerre au, au Soudan, il euh, y a certains euh, individus qui a fait une vidéo, bien sûr, je n'en dirai pas plus. Euh... Retour en avril 2023, donc une situation fragile. Suite au coup d'État du général Al-Burhan mené en octobre 2021 contre la composante civile du régime de transition, qui devait permettre l'instauration d'une démocratie réclamée par les Soudanaises et Soudanais durant la révolution, la population soudanaise n'a pas cessé de manifester son refus du coup d'État à travers des manifestations, grèves et occupations. En avril 2023, sous pression et de plus en plus isolé, le général Al-Burhan avait réouvert les discussions autour d'une transition civile. Bon, en fait, il y avait eu euh, au, au euh euh, au Soudan, un, une révolution des civils, un mouvement civil, un mouvement de, de la société soudanaise qui avait renversé le dictateur euh, Omar el-Béchir qui euh, dirigeait le pays depuis 30 ans. Ensuite, après ça, il y avait eu euh, la mise en place d'un pouvoir partagé entre civils et militaires. Finalement, en 2021, coup d'état euh, des militaires contre les civils qui ont dit Vous inquiétez pas, on va passer à un pouvoir civil. Euh, et au final, deux généraux, donc euh, al burhan qui a mené ce coup d'état et euh, un, ancien, un, un de ses anciens alliés, Emetti, se euh, euh, sont mis à se faire la guerre donc il y a une guerre civile depuis euh, ce moment là depuis le 15 avril 2023 euh, c'était euh, c'est donc la situation actuelle au Soudan l'objectif était euh, de trouver un accord pour sortir de l'impasse mais ces discussions qui portaient notamment sur la réforme de l'institution militaire et le calendrier de cette réforme ont ravivé les tensions entre Al-Burhan et son, assi son allié pardon, Mohamed Hamdan Daglo appelé Emeti euh, Là, ils disent Dagalo, j'ai vu Dogolo aussi, j'ai vu Daglo, bon, on va dire Dagalo, euh, à la tête de la milice des forces de soutien rapide. Les révolutionnaires civils demandent la dissolution de toutes les milices et la constitution d'une seule armée unifiée qui se tienne à l'écart du pouvoir politique. Mais les RSF, euh, devenues aussi puissantes que l'armée elle-même, n'avaient pas d'intérêt à être dissoute et regroupée dans l'armée. La tension s'est brutalement euh, accentuée entre Al-Bouran et Ameti en parallèle d'une visite stratégique aux Émirats Arabes Unis qui le soutiennent. M.E.T.I. commençait à déployer ses soldats à divers endroits stratégiques, notamment à Marawi, où se trouve l'aéroport militaire de l'armée soudanaise. Le 15 avril, donc le jour où tout a basculé, euh, ce jour aurait dû être une célébration de l'Aïd, mais ce matin-là, les habitantes et habitants de Khartoum ont été réveillés par des tirs et des explosions. La guerre venait d'éclater entre l'armée soudanaise et les RSF, qui a tiré la première balle. On ne le sait toujours pas. Pour la première fois dans l'histoire du Soudan, la guerre a éclaté dans la capitale, à proximité du palais présidentiel. La sidération était totale. Pensant que les affrontements dureraient à peine quelques heures, nombreux sont ceux à avoir quitté leur maison en imaginant y revenir le soir même, mais ils ne sont jamais revenus. Ben, la guerre est toujours en cours aujourd'hui, avec notamment de la part des forces de rapides des exactions. D'ailleurs, des, des milices qui euh, ont occupé les maisons des euh, Soudanais, euh, qui les ont parfois chassés directement de leur maison. Euh, notamment du euh, vol de, de, de. aussi des moyens de transport, donc quasiment plus personne n'a de voiture euh, en tant que, euh, comme civil au, au Soudan. La sidération s'est poursuivie dans les jours suivants. L'attention de la communauté internationale, États-Unis, pays européens et pays du Golfe, a principalement porté sur l'évacuation de leurs ressortissants. Le départ des étrangers et étrangères issus de ces pays a été vécu par la population soudanaise comme un abandon de la communauté internationale. Bon, la dernière, euh, le dernier élément qui a eu de la communauté internationale, c'est la conférence pour le Soudan qui a été organisée euh, par la France le 15 avril 2024, où il y a 2 milliards d'euros qui ont été récoltés euh, pour... Euh, Essayer de résoudre la crise au Soudan. Mais cette, euh, cette conférence n'a pas réuni euh, euh, suffisamment d'argent pour, euh, pour, pour résoudre la crise. Hein. Selon euh, l'ONU, selon il faudrait un peu plus d'argent, presque deux fois plus d'argent pour, euh, pour régler le problème. Et de toute façon, tant que la guerre n'est pas arrêtée, bah, ça, ne, ça, ne, ça, ne, ça ne change pas. Le départ, donc, ça a, des étrangers a été vécu comme un abandon. Les Soudanaises et euh, Soudanais et les étrangères et étrangers d'autres nationalités qui n'avaient pas été évacués sont restés livrés à eux-mêmes au milieu des euh, combats. Pendant plus de trois semaines, la capitale et plusieurs villes du Darfour, Niala, Al Fasher et du Kordofan, Al Obeid, ont été soumises à des combats ininterrompus entre les bombardements de l'armée et les tirs des RSF. Les habitants et habitants ont, et ont rapidement témoigné sur les réseaux sociaux de cambriolages, de vols et de viols de la part des soldats des RSF, mais aussi des militaires. Les Soudanaises et Soudanais ont continué à quitter massivement leurs maisons pour aller depuis la capitale vers la province, Wad Madani, Jezira, Port-Soudan, mais aussi vers l'Égypte, l'Éthiopie, le Tchad et le sud du Soudan. On a aujourd'hui presque 10 millions de personnes soit déplacées à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur, donc dans les pays indiqués, euh, du, du Soudan suite à cette guerre. En mai 2023, des négociations ont eu lieu à Jeddah avec la médiation des États-Unis et de l'Arabie Saoudite. L'objectif était de rassembler les deux généraux autour de la table, mais l'initiative était vouée à l'échec. Les RSF débutaient au même moment un massacre qualifié de génocide à Al-Geneina, ville frontière avec le Tchad, située à l'ouest du Darfour. Le massacre d'Al-Geneina prolonge ainsi l'histoire des génocides au Darfour qui ont eu lieu au début des années 2000 avec le soutien de l'armée et du gouvernement d'Omar el-Béchir. Euh, parce que les, 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 les forces de soutien rapide, hein, les RSF, euh, étaient aussi euh, actives au Darfour et provoquaient aussi des exactions au Darfour pendant le régime d'Omar al-Bechir. Ce qui fait qu'il y avait pas mal de Soudanais qui étaient, de la société civile qui étaient méfiants envers, euh, envers cette milice-là, et a raison. On le, on le voit maintenant. Euh, Musab, militant soudanais en exil, pointe ainsi du doigt la double responsabilité des RSF et de l'armée dans ces massacres. Les militaires sont complices de tout ça, même durant le génocide au Darfour en 2003, ils étaient témoins du massacre. Les milices permettent à l'armée soudanaise de rejeter sur elle sa responsabilité. Les militaires sont censés être le premier groupe qui évite d'entrer dans une guerre, mais au Soudan, c'est le contraire. Là, on a la ville del détruite par, par la guerre au Soudan. En décembre 2023, la ville de Ouad Madani est tombée aux mains des RSF après que l'armée ait une nouvelle fois abandonné la population locale. Les destructions, bombardements, vol, pillages se sont poursuivis dans tout le pays, s'étendant pro progressivement du Darfour et de la capitale vers le centre et l'est. Donc ça, c'est euh, Thomas Van Linge, euh, qui euh, est un journaliste euh, qui fait énormément de cartographies des conflits en cours. Il fait aussi des, des cartographies, je crois, sur, la, sur le Myanmar, hein, sur la Birmanie. Euh, là, c'est des cartographies sur le Soudan, avec euh, les forces de soutien rapide en jaune et euh, les forces armées soudanaises en rouge. Alors, la carte date du 1er février, je ne sais pas si c'est la plus récente qu'il a faite. En tout cas, elle, a, elle est relativement récente. Donc là, vous voyez, il euh, bon, y a différents euh, groupes armés dont on va, que je ne vais pas détailler, mais euh, globalement, il y a en jaune les forces de Métis et en rouge les forces militaires de al quoi. En janvier 2024, le collectif euh, Takadum, composé de plusieurs partis politiques, a signé un accord avec les RSF à Addis, Addis Abeba, dans lequel les RSF s'engagent à garantir une transition civile et démocratique s'ils gagnent la guerre. Cet accord qui a si été signé par Abdallah Hamdok, euh, l'ancien Premier ministre de la période de transition, a été largement contesté et décrié par les Soudanaises et Soudanais, qui considèrent qu'aucune compromission n'est possible avec les forces de soutien rapide. Ouais, une milice qui a commis des exactions. En même temps, on comprend qu'on n'a pas envie euh, de dire bon, si, si, vous inquiétez pas. Il y a eu déjà euh, en, 2000, euh, en 2020, ou 2021, 2021 une, euh, une révolution avec euh, une première transition vers un. Un régime euh, entre civil et militaire qui a été renversé alors qu'il y avait une promesse de transition vers le pouvoir civil. Ensuite, Al-Burhan est arrivé au pouvoir euh, et il a été, euh, il a, il a dit euh, "Vous inquiétez pas, j'arrive au pouvoir, mais je vais faire une transition vers un euh, euh, vers un régime civil." Et là, l'autre belligérant arrive et dit "Vous inquiétez pas, je signe un accord et je vais faire une transition vers un régime civil." Bon, je comprends que les Soudanais. Ils y croient pas trop, si vous voulez, euh, moi à leur place je me dirais pas non plus Ouais c'est fiable, t'inquiète pas quoi Je, je pense qu'ils qu ont raison Bienvenue aux nouveaux, nouveaux followers, hein, bien sûr On peut dire qu'ils sont... Ouais, bah en même temps euh, Le Soudan, déjà c'est un pays qui a une tradition euh, euh, Assez ancienne de syndicalisme de, euh... Ils ont un, un parti communiste assez puissant et assez euh, euh, Un parti communiste assez euh, intéressant le Soudan, ils ont pas mal de syndicats qui ont été, qui ont été actifs pendant, pendant les manifestations. Donc, c'est quand même euh, comme, comme une révolution euh, du peuple soudanais et des organisations euh, de gauche soudanaises euh, qui a été volée par, par ces militaires. Et aujourd'hui, ces mêmes militaires-là euh, qui commettent des exactions, euh, que ce soit à Khartoum ou dans la région du Darfour, viennent dire euh, Non, mais vous inquiétez pas, euh, en fait, euh, on va faire une transition vers un régime civil. Alors que les Soudanaises et les Soudanaises avaient réussi à la faire, cette transition vers un régime civil, quand ils ont. Euh, quand ils ont fait la révolution et quand ils ont, quand ils ont fait chuter Omar al-Béchir. Mais bon. Euh... Si cet accord est survenu à un moment où les RSF prenaient l'avantage sur l'armée, il s'inscrit également dans une normalisation diplomatique des relations avec les RSF. De janvier à mars 2024, Remeti a ainsi effectué une série de visites officielles dans les pays voisins, où il a été reçu comme un allié diplomatique. Mais plus récemment, l'armée soudanaise a remporté, grâce à des drones iraniens, plusieurs combats majeurs sur les RSF. À ce jour, l'issue de la guerre reste donc toujours très incertaine, puisque chacun des pays a des alliés euh, particuliers. Ahmed, on a déjà vu avec les Émirats, il a fait une visite, des visites officielles dans plusieurs pays. Je crois qu'il y avait la, la Turquie, euh, notamment, je ne veux pas dire de, de bêtises. Euh, mais c'est surtout les Émirats arabes unis qui le soutiennent. De leur côté, les forces armées euh, soudanaises sont soutenues euh, notamment par, euh, par l'Égypte. Euh, et donc, on a la vente de, euh, la vente de drones iraniens, hein, les fameux drones. Euh, euh, Iraniens qui ont été utilisés euh, pour attaquer euh, Israël et qui sont utilisés aussi euh, par la Russie euh, contre l'Ukraine. Des drones pas chers et euh, assez efficaces apparemment. Les raisons profondes de cette guerre sont obscures et font l'objet de débats au sein des Soudanaises et Soudanais, comme le constate euh, Kansa, euh, militante soudanaise en exil. Il n'y a pas une seule analyse profonde sur la situation actuelle au Soudan et c'est ça qui nous rend confus. Il y a des gens qui soutiennent la guerre, qui veulent que les militaires écrasent les RSF quoi qu'il arrive, mais il y a aussi des gens qui considèrent les RSF comme un allié politique ou encore d'autres qui ont des intérêts directs dans la guerre. Et il y a des gens qui disent non à la guerre, qui pensent que c'est la pire chose qui peut arriver. Avec tous ces discours, on n'arrive pas à trouver une bonne orientation ni de bons outils de travail pour être plus efficace parce qu'il y a un manque d'analyse et on n'a pas de boussole. Certains estiment que c'est une guerre de pouvoir entre deux hommes pour de simples intérêts personnels. Pour Raled, militant soudanais en exil, la guerre peut être analysée d'un point de vue féministe comme une compétition de virilité entre deux généraux qui prennent en otage la population soudanaise. D'autres estiment qu'il s'agit d'une guerre entre différents groupes sociaux et culturels de la société, avec une dimension raciale qui conduit à des génocides, euh, notamment euh, les, ethnies, euh, euh, les ethnies non arabes du Darfour, hein, qui sont visées euh, par, euh, par les forces de soutien rapide. D'autres considèrent qu'il s'agit d'une guerre impérialiste, car chacun des deux groupes qui s'affrontent est soutenu par différentes puissances étrangères qui convoitent le Soudan pour des ressources naturelles. Et pour sa localisation stratégique. On a parlé de l'Egypte, on a parlé des Émirats, euh, tous ces pays-là, voilà, qui soutiennent l'un ou l'autre des belligérants. Ransa euh, considère ainsi que la guerre est une étape très violente qui se traduit par le fait qu'il y a des organisations armées qui essaient de monopoliser les richesses et le pouvoir du pays par les armes par n'importe quel moyen. D'ailleurs, oui, aussi à noter, alors j'en parlais dans la vidéo que j'ai faite sur, sur le Soudan euh, euh, qui, est sorti, euh, qui est sorti lundi. Euh, C'est euh, aussi un moyen... Euh, euh, pour la Russie de monopoliser des richesses, hein, la Russie qui, est sou euh, qui soutient les forces de soutien rapide et qui exploite des mines d'or dans le sud du Soudan, et à côté on a les Ukrainiens qui se sont alliés avec les forces armées euh, soudanaises pour contrer euh, l'influence de la Russie justement. Donc on a des vidéos qui existent de soldats ukrainiens qui euh, ciblent des Russes dans les rues de Khartoum. Donc effectivement on a un scénario où il y a deux, euh, les deux... Euh, camps de cette guerre au Soudan sont soutenus par des puissances étrangères et donc les intérêts ne sont peut-être pas directement ceux, ceux du Soudan. Mais pour beaucoup, il s'agit avant tout d'une guerre contre-révolutionnaire. En mettant le pays à feu et à sang, elle a fait s'effondrer les espoirs de la révolution civile et démocratique et a poussé sur les routes de euh, l'exil de nombreux militants et militantes engagés dans la révolution. En déstabilisant complètement le pays, cette guerre permet aux cadres de l'ancien régime de rester en place sans être jugés pour les crimes qu'ils ont commis durant des décennies. Durant la dictature militaire, puis euh, du coup d'État. Bah, notamment Emeti, hein, pendant, pendant, euh, pendant la transition après, le, après le, la chute de Omar al-Béchir, qui a été accusé euh, d'avoir massacré une centaine de personnes à Khartoum pendant un sit-in. Hein. Malgré l'immense douleur et la colère, les Soudanaises et Soudanais n'ont pas dit leurs derniers mots, et la flamme de la résistance est toujours présente. La mobilisation demeure active dans le pays, du côté de la société civile. Les initiatives se sont multipliées pour réclamer la fin de la guerre. En novembre 2023, les comités de résistance et les organisations autogérées par quartier de la société civile et fer de lance du mouvement de la contestation depuis 2018 ont publié une déclaration avec des pistes concrètes de propositions pour mettre fin à la guerre, réformer les forces armées soudanaises, mettre en place un gouvernement civil et obtenir justice pour toutes les victimes de guerre. De nombreuses initiatives locales mettent en œuvre une solidarité dans les différents quartiers malgré une situation humanitaire catastrophique. La résistance se poursuit également dans la diaspora soudanaise à travers le monde, même si la guerre affecte aussi fortement les soudanaises et soudanais de l'étranger. Rachida, militante soudanaise en exil, note une, note une différence entre la période post-révolutionnaire et la situation aujourd'hui. Les gens sortaient en masse euh, après le coup d'État parce qu'il y avait de l'espoir, mais maintenant nous ne sommes pas nombreux aux manifestations, c'est la guerre et il n'y a plus d'espoir, nous sommes perdus. Les manifestations sont tristes car il n'y a personne qui n'a pas été touché directement par cette guerre. Pour autant, elle continue à se mobiliser en considérant que c'est le minimum que je peux faire pour soutenir son pays depuis la France et qu'il ne faut rien lâcher. À Paris, hier, des militants ont manifesté place de la République contre la guerre et d'autres ont fait entendre leur voix en perturbant la conférence sur la crise humanitaire au Soudan organisée euh, par les puissances internationales accusées par de nombreux militants soudanais de poursuivre la normalisation des relations internationales avec les RSF et d'aller à l'encontre de la volonté des de la population soudanaise. Des manifestations ont eu lieu hier dans différentes villes du monde à Paris, Londres, Boston, New York, Oslo, Washington, Phoenix, euh, je suppose que c'est Phoenix, Cardiff dans le cadre de la Global March for Soudan, la marche globale pour le Soudan, qui vise à demander la fin immédiate de la guerre. Là on voit des photos de la marche de différentes marches pour le Soudan. Place de la République, là il y a Ottawa, là il y a Londres. Euh, et donc voilà. Très intéressant, vous voyez, c'est le genre d'article qu'on peut trouver sur le club de Mediapart. Hein. C'est un article journalistique, mais qui a été rédigé par un, un collectif franco-soudanais, un Sudfa (SUDFA) qui euh, donc rédige, euh, qui donc rédige cet article pour le club de Mediapart. Alors, il y a une newsletter d'ailleurs du, du club de Mediapart à laquelle vous pouvez, euh, vous, pouvez vous abonner, euh, vous pouvez vous abonner pour. Euh, pour avoir euh, bien sûr les une sélection des articles par les euh, salariés de Mediapart qui s'occupent du club, l'équipe du club de Mediapart, qui euh, vous sélectionne avec amour, bien sûr, euh, tout un ensemble d'articles que, euh, que vous pouvez lire. Alors, j'avais prévu d'autres articles, mais celui-là était, euh, était quand même assez long, mais simplement je vais vous les montrer en exemple, et puis je peux même vous les mettre dans le chat, voilà, comme ça vous avez les liens. Euh, vous avez un article. Euh, sur euh, l'expulsion d'un squat à Vitry, hein. plus de 100 réfugiés euh, étaient, au, euh, étaient dans un squat à Vitry-sur-Seine dans euh, le Val-de-Marne. Euh, la préfecture a ordonné euh, l'évacuation. 100 euh, réfugiés sans solution à la rue. Euh, bon, cette recension euh, sur le, le squat a été euh, publiée dans le club de euh, Mediapart. Donc, je mets le lien également. Alors Il y, le... y a les crochets, mais vous pouvez juste euh, sélectionner le lien et le copier-coller. Et on avait également, euh, non, un contrôle des migrations encore aggravé aux frontières Schengen. Voilà, je vous mets le lien aussi. Euh, pareil, je suppose qu'il y, voilà, y, y a des crochets, ça, ça ne fonctionne pas. Twitch n'aime pas les crochets dans les liens, c'est un scandale. Mais euh, vous pouvez aussi euh, euh, voilà, lire les articles sur le club. Voilà, pour la section club de Mediapart, je vous propose maintenant de passer à l'actualité internationale. Bon, alors ça tombe bien qu'on parle de l'Italie puisque. Euh, Puisqu'on va parler de l'Italie déjà, bien sûr. Je, je... Ouais. Alors attendez simplement. Est-ce que si je fais ça, ça fonctionne Ça fonctionne, c'est incroyable. Euh... Il faut couper le lien à partir du point d'interrogation. On pourrait couper avant parce que euh, les, les liens suivants, ça dit juste que ça vient de la, la newsletter, ouais. Euh. Un instant, alors oui. Euh... Voilà. Je parle de, Je parle de ça, euh... effectivement, euh... de l'actualité internationale, mais part un dossier sur l'Italie, sur le gouvernement d'extrême droite en Italie, qui se fait quand même relativement discret hein, dans nos médias. On n'en parle pas trop, on a une espèce de petite musique, euh, pas forcément très agréable, qui dit que bon bah finalement ça n'a pas changé tant de choses que ça. C'est pas si grave, regardez, il y a l'extrême en Italie, mais ça se passe bien, euh, c'est sympatoche, voilà. Et pourtant, et pourtant, ce, je pense, je pense que ce n'est pas vraiment le cas. Alors, il y a plusieurs choses, je vous ai sélectionné quelques articles, alors attendez, avant, avant de passer aux articles de Mediapart, simplement une petite, une petite revue de presse, rapidement, mais euh, pour vous dire deux, trois choses. Déjà, euh, le, les cliniques publiques ont été ouvertes aux, euh, aux militants anti-avortement. Voilà, par exemple, ce gouvernement euh, d'extrême droite, c'est le genre de choses qu'il peut, qu peut faire. Euh, donc les militants anti-avortement, euh, le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni a fait adopter euh, mardi une mesure controversée, controversée bien sûr, euh, aux militants, permettant aux militants anti-avortement d'accéder aux euh, cliniques publiques en Italie, un passage indispensable pour avoir accès à une interruption volontaire de grossesse des associations et partis d'opposition accusent les autorités de vouloir euh, remettre en question la loi de 1978 dépénalisant euh, l'interruption volontaire de grossesse en Italie. Ça, c'est une des mesures présentées par euh, Giorgia Meloni. Deuxième euh, mesure, Italie, plusieurs centaines. Alors, ce n'est pas une mesure, c'est plutôt un, une conséquence. Alors, attendez, juste simplement, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Plusieurs centaines, c'est le Parisien qui nous dit ça, plusieurs centaines de manifestants font le salut fasciste à Milan. Euh, une enquête ouverte, donc le Parisien qui a publié ça hier, hier soir à hein, 20h, plus d'un millier de manifestants étaient rassemblés hier, donc le 1er mai, hein, je rappelle, à Milan pour commémorer la mort de Sergio Ramelli, membre du parti néofasciste Mouvement Social Italien, fondé après la mort de Mussolini, il était tué en 1975 par des militants d'extrême-gauche. Euh, après avoir procédé à une marche au flambeau, les manifestants, tous alignés, ont exécuté un salut fasciste en criant « présent » comme lors d'un rituel paramilitaire » selon l'agence de presse italienne Ansi, le euh, procureur de Milan a ouvert une enquête sur ce rassemblement. Bon voilà quelques. Euh, quelques informations sur l'ambiance euh, politique en Italie euh, suite à l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Donc on a l'IVG. Et on a bien sûr le fait que Giorgia Meloni soit. Euh euh, tête de liste de Fratelli d'Italia, donc son, son parti, aux élections européennes. Elle a annoncé ça lors d'un congrès de son parti post-fasciste. Hein. Bien sûr, on a de, de nouveaux termes. Néofasciste, euh, cryptofasciste, post-fasciste, bien sûr. Euh, C'est des, des, euh, des, des descriptions assez intéressantes. Euh, mais donc, elle est tête de liste de son, euh, de son, euh, de son parti aux, aux européennes, tout en étant première ministre. Et donc... Autre point, revenons donc à Mediapart. Après cette petite, euh, ce petit tour d'horizon qui j'espère vous aura, euh, euh, vous aura un petit... la partie importante est bien fasciste. La partie importante est bien fasciste. Absolument, ouais. Mais voilà, donc c'est simplement pour faire, euh, pour faire, relativiser un petit peu toute cette histoire de euh, l'extrême droite en Italie. Elle est sympa, euh, c'est pas si grave que ça. Puis il y a aussi le fait que euh, l'extrême droite italienne. Euh, aide pas mal l'Europe avec sa politique anti-immigration en faisant la tournée de pays euh, que l'Europe peut financer pour euh, s'occuper de, euh, de, bloquer, de bloquer les migrants, euh, notamment la Tunisie. Et donc, article de Mediapart, euh, en Italie, l'extrême droite au pouvoir attaque les intellectuels. Hein, voilà aussi un des autres aspects de ce gouvernement euh, d'extrême de droite euh, en Italie, qui a été quand même pas mal normalisé. Alors effectivement, à la différence de, à la différence de Orban euh, en Hongrie, qui est euh, très vocal, qui se place aussi dans une position euh, un petit peu anti-européenne, pro-russe, euh, qui le met en porte-à-faux par rapport au reste des pays de, de l'UE, euh, Mélanie est beaucoup plus euh, subtile que ça. Déjà, elle prend une position pro-Ukrainienne, euh, elle prend une position qui est alignée avec celle de l'OTAN et de l'Union européenne, ce qui la rend quand même beaucoup plus fréquentable hein, pour les chefs d'État européens, hein, puisque bon... Euh, euh, d'extrême droite pro-russe c'est infréquentable, d'extrême droite pro-ukrainien euh, c'est fréquentable, comme si le problème euh, c'était plus l'alignement euh, que euh, le, euh, la couleur politique. Le problème c'est les deux hein, bien sûr, mais bon la couleur politique devrait être un problème. Comme Le Pen, voilà Le Pen qui a opportunément changé aussi de, de camp euh, sur le terme euh, entre Russie et Ukraine. Disons que de toute façon, il y a de l'extrême droite pro-Ukrainienne et de l'extrême droite pro-russe. Ça, dès le début du conflit, il y a eu, il y a eu les, deux, les deux lignes d'extrême droite. Mais cette ligne-là la rend aussi un peu plus fréquentable pour, pour les dirigeants de l'Union Européenne. En Italie, l'extrême droite au pouvoir attaque les intellectuels. La chef du gouvernement italien poursuit en justice l'historien Luciano Canfora pour diffamation. Ce dernier l'avait qualifié de néo-nazi dans l'âme en avril 2022. Ces derniers mois, les attaques contre la liberté d'expression se sont multipliées dans la péninsule. Donc, c'est un article de Cécile de Barge pour Mediapart qui a été publié le 15 avril, donc il y a deux semaines, à 17h26, très exactement. C'est un procès sans précédent qui s'ouvre mardi 16 avril à Bari, dans les Pouilles. L'historien octogénaire Luciano Canfora comparaîtra devant les juges en audience préliminaire pour la diffamation. Pour diffamation, pardon. La plaignante n'est autre que Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien. L'effet mis en cause euh, remonte au mois d'avril 2022 à l'occasion d'une rencontre sur l'Ukraine organisée au lycée scientifique Enrico Fermi à Bari. Euh, face aux élèves, euh, euh, Luciano Canfora euh, avait ce jour-là qualifié celle qui n'était pas encore à la tête du Conseil des ministres de personnes stupides. Euh, une pauvre petite néo-nazie dans l'âme. Euh, voir dans la boîte noire la traduction complète de ses propos. Donc. Des propos, bien sûr. Des euh, propos. Des <laughs> propos. La réaction de la chef de file de Fratelli d'Italia. J'ai dit les pouilles, bien sûr, avec un P, hein, dans le chat je vous vois. Euh, les, les gamineries, bien sûr, c'est terrible. Terrible le chat ici. Euh, de la diffamation. Il aurait dû dire néofasciste, néo-nazi, voilà, faut être précis. Dans les qualifications, évidemment. Euh, donc la réaction de la chef de file de Fratelli d'Italia est immédiate. Ce sont des paroles inacceptables prononcées une fois encore par une personne qui devrait s'occuper de culture et de formation et qui au lieu de cela fait de la vulgaire propagande à de jeunes étudiants. Est-ce que ce discours euh, ne vous rappelle pas quelque chose Bien sûr, les, euh, la propagande, vous ne devriez pas vous occuper de faire de la propagande politique. C'est un discours qui revient assez souvent de la part des enseignants. Euh, dit-elle, chargeant son avocat de l'époque, Andrea del Mastro delle Vedove, devenu entre-temps sous-secrétaire d'État à la justice, de déposer une plainte contre l'historien. La mobilisation autour de ce procès, euh, de, du procès de ce dernier est d'abord timide en Italie. Le 27 mars, un premier appel signé par environ 250 personnes est publié. Euh, ce qui m'a frappé, c'est la quasi-absence de figure universitaire de renom parmi les signataires, si ce n'est Adriano Prosperi de l'école normale de Pise commente Pierre Vesperini, chargé de recherche au CNRS. Le chercheur français passé par l'école française de Rome décide alors de lancer un appel plus large au monde universitaire, y compris hors des frontières italiennes. Il fallait réagir face à cette espèce de curée indigne, dégradante et avilissante, non seulement pour les Italiens, mais pour tous les chercheurs, tous les universitaires et tous les citoyens attachés à l'idée de démocratie, explique-t-il. Est-ce que euh, des propos pareils tenus contre Darvana auraient abouti à une plainte je, je pose juste la question. Je ne suis pas là pour me prononcer. Je pose juste la question. Je ne fais pas de comparaison entre un régime d'extrême droite et, euh, et la France. Je, je pose juste la question. Je pose juste la question. Il y a eu un débat interne entre certains universitaires. L'historien est pro-Poutine vénère apparemment. Hum. Après, est-ce que c'est une justification pour dire qu'il faut le laisser se faire attaquer en justice par un gouvernement d'extrême droite je pense pas. Ah ben voilà. Les premiers retours sont décevants. Euh, plusieurs professeurs d'université italien répondent à Pierre Vesperini qu'ils ne signeront pas la tribune à cause des positions de Luciano Confora sur l'Ukraine, d'autres parce qu'ils estiment que ce procès est anecdotique. Le chercheur français se dit abasourdi par ces réponses. « Je ne voulais pas que ce soit idéologique. Il était important euh, que même des gens qui n'étaient pas d'accord avec les idées de Luciano euh, Confora s'engagent pour la liberté d'expression. » A ce jour, l'appel réunit plus de 900 signatures. Il est désormais traduit en anglais, en allemand, en espagnol et en portugais. Par la suite. De toute façon, c'est toujours pareil, hein, Les gens euh, ne disent rien jusqu'à ce que euh, jusqu'à ce qu'il y ait un nouveau procès euh, un petit peu plus euh, peut-être. Un petit peu plus hardi. Contre une figure peut-être un peu moins clivante. Et puis euh, ça avance comme ça, voilà. On se dit ah bon mais quand même il a abusé et puis de toute façon je n'aime pas trop ses positions donc c'est pas grave et puis après un autre procès une nouvelle attaque et puis ah bon mais il y avait déjà un procès comme ça c'est normal etc etc bon par la suite de nouvelles voix se sont élevées avec fermeté en Italie pour dénoncer le procès intenté par Giorgia Meloni dans le quotidien républicain le journaliste Corrado Ogias a ainsi écrit qu'un chef de gouvernement ne devrait jamais porter devant un tribunal un citoyen en particulier lorsqu'il exprime ses opinions Ogias est euh, cloué au pilori par les commentaires des lecteurs et lectrices. Ça m'a fait penser à la révolution culturelle chinoise, cette volonté d'abattre les figures de l'autorité et du prestige du savoir et de les traîner devant un tribunal, les humilier, les faire condamner, analyse Pierre Vesperini. Mardi, à l'ouverture du procès, on parle d'un historien, euh, historien italien qui a été euh, traîné devant la justice par euh, Giorgia Meloni pour euh, euh, avoir dit que c'était une néo-nazie. Euh... Ce qui est, euh, voilà, ce qui est, un... ce qui est descriptif, si vous voulez. Mardi à l'ouverture du procès, une manifestation est organisée devant le tribunal de Paris en soutien à l'historien. Une première bataille est déjà gagnée. Euh, il n'est plus seul, isolé et livré au pouvoir et à ses caprices. Se réjouit le chercheur français. D'autant que Luciano Confora n'est pas le seul intellectuel italien traîné devant les tribunaux par les membres du gouvernement italien. Ces derniers mois, les attaques contre la liberté d'expression se sont en effet multipliées dans la péninsule. Et c'est pas vrai. Bah non, on peut dire, euh, on peut dire que c'est du néofascisme, voilà, c'est très important, on hein, fait de la... <laughs> la reconnaissance politique, bien sûr. Euh, il faut être, euh... faut être juste, il faut être précis. Elle, elle, elle va aller devant le tribunal, Mélanie, elle va dire « Je ne suis pas néo-nazi, je suis fasciste. <laughs> » Ne confondez pas. Donc d'autres attaques contre la liberté d'expression euh, sur la péninsule italienne. Le 15 mai, le philosophe, euh, la philosophe pardon, Donatella di Cesare comparaîtra elle aussi devant la justice, toujours pour diffamation, à la suite d'une plainte déposée cette fois-ci par le beau-frère de Giorgia Meloni, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, Francesco Lolo Brigida, euh, le 18 avril. Donatella di Cesare était invitée sur le plateau de euh, Di Martedì sur la chaîne LA7, où elle fut invitée à réagir à des images du ministre commentant la baisse de la démographie italienne et invitant la population à ne pas se résigner au remplacement ethnique. J'ai dit que le remplacement ethnique était un mythe complotiste, le cœur de l'hitlérisme, du nazisme, et par conséquent, j'ai ajouté que le ministre avait parlé comme un Gauleiter, c'est-à-dire comme un gouverneur néo-hitlérien, se souvient la professeure de philosophie à l'université romaine de la Sapienza. Une comparaison, un parallèle historique, je n'ai pas dit qu'il en était un, mais qu'il parlait comme. Donc c'est à peu près la même chose, hein, à propos, en disant, euh, une théorie du grand remplacement, bien sûr, alors qu'il ne vient pas euh, en tant que tel, euh, en tant que terme de remplacement ethnique, euh, de grands remplacements et tout ça, c'est une théorie relativement récente, euh, mais bon, encore une fois, euh, on a euh, déjà assez intéressant de voir que son beau-frère est ministre. Hein, on a cette espèce de truc de clan familial qu'on retrouve euh, dans d'autres parties d'extrême droite, dans d'autres pays, voilà, que je nommerai pas. Euh, et on a une comparaison avec le nazisme qui, est, qui ressemble à celle de l'autre professeur, et là elle aussi a été traitée en justice. L'avocat de Francesco euh, Lolo Brigida, qui est le même que celui de Giorgia Meloni, n'a que faire de cette stupidité. Il assigne Donatella di Cesare en justice. Un procès aussi disproportionné, un ministre contre une philosophe, ce n'est pas seulement une intimidation, c'est une, épu une épuration. Je suis pointé du doigt et désigné comme une ennemie, et ça c'est déjà un procès en soi, explique Donatella di Cesare, habitué depuis de nombreuses années à commenter l'actualité du pays dans les médias. Ce premier procès se joue en dehors des tribunaux et passe aussi par les réseaux sociaux. Euh, depuis un an, je reçois sur les réseaux sociaux des menaces, des insultes, des intimidations. C'est un véritable lynchage orchestré par les partis de droite, en particulier la Ligue et Fratelli d'Italia. La Ligue du Nord, parti d'extrême droite, et Fratelli d'Italia, donc le parti de Meloni. Hein. Témoigne la philosophe. Giorgia Mélanie et ses proches ont commencé à, à attaquer les intellectuels italiens euh, bien avant d'arriver aux affaires. En octobre 2023, l'écrivain Roberto Saviano avait été condamné à 1000 euros d'amende pour avoir diffamé la chef de file de Fratelli d'Italia en 2020. Euh, sur un plateau de télévision, il avait qualifié Giorgia Meloni et Matteo Salvini de bâtards. Elle avait alors demandé 75 000 euros de dommages et intérêts. Donc ils ont l'habitude bien sûr d'avoir recours à l'intimidation judiciaire pour toute insulte ou euh, tout propos euh, sur euh, leur euh, orientation politique, directement procès quoi. On parle du prof syndiqué en France attaqué par euh, Darmanin en justice car elle a dit du mal de l'armée et de la gendarmerie. Bah oui, exactement, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, mais ce sont des comparaisons qu'on ne fera pas ici, bien sûr. Des comparaisons qu'on ne fera pas ici, évidemment. Le pouvoir politique délègue au pouvoir juridique la délimitation du périmètre de la liberté d'expression et c'est très dangereux car le message est le suivant. Quiconque prend position en payera le prix, a réagi Saviano le soir de sa condamnation. Plus récemment, le recteur de l'université pour étrangers de Sienne, Tommaso Montanari, a été assigné en justice toujours par Francesco Lolo Brigida pour avoir dénoncé lui aussi le remplacement ethnique. Tandis que l'historien Davide Conti, auteur du récent ouvrage Les fascistes contre la démocratie, a été attaqué par la sous-secrétaire à la défense Isabella Rauti pour un article publié sur son père, Pino Rauti, et ses liens supposés avec un groupe armé d'extrême droite actif pendant les années de plomb. Ah donc l'extrême droite aurait des liens avec l'extrême droite, ah bah ça, je tombe de ma chaise les amis. Donc, on a euh, un petit peu le, le, le cas de, ce, de cet historien, mais c'est un petit peu le, la pointe euh, émergée de, de l'iceberg. Hein. On a énormément de procès en fait qui ont été faits contre diverses personnes qui se sont exprimées contre l'extrême droite de Giorgia Meloni. Un caricaturiste du quotidien de gauche, Il Fato Quotidiano, a quant à lui été assi assigné en justice pour diffamation par Ariana Meloni, la sœur de la chef du gouvernement et épouse du ministre Lolo Brigida. Il l'avait caricaturé au lit avec un homme noir qui craignait que leur lésion ne soit découverte. Ce à quoi elle avait répondu Ne t'inquiète pas, il est dehors toute la journée pour combattre le remplacement ethnique. Bon, des Et peut-être pas ouf, voilà, mais bon. Euh, procès sur une caricature ce procès, Ces procès en disent long sur la situation politique actuelle en Italie, commente la philosophe Donatella di Cesare. D'abord, il limite la liberté de parole comme une nouvelle censure qui prétend décider ce que l'on peut dire ou non. Ensuite, cette droite, en particulier celle de Fratelli d'Italia, dont l'objectif est de fonder une troisième république. Se présenter avec un visage politique différent de ce qu'elle est, et elle ne souhaite pas que quiconque rappelle quelle est leur origine. L origine fasciste, hein, bien sûr. Faudra bientôt meubler. Non, mais ne vous inquiétez pas, j'ai euh, d'autres articles sous le pied. Euh... Alors, je vais mettre ça pour vous montrer tout à l'heure. Ces derniers jours, euh, euh, Gianni Berrino, sénateur issu des rangs de Fratelli d'Italia, a présenté un projet de loi sur la diffamation. L'un des amendements prévoyait euh, 4 ans et demi de prison pour les journalistes retenus coupables de diffamation. Il a fini par le retirer lundi sous la pression de la polémique. Ah oui, bah il ne fait pas semblant, lui, il dit vraiment. Vraiment, euh... <laughs> ah bon, juste pour les journalistes, ne vous inquiétez pas. Un petit 4 ans et demi de. Un petit 4 ans et demi de... De... de prison, pourquoi pas, bien sûr. Je, je vais mettre l'heure ici, parce qu'on ne voit pas beaucoup de choses vu que mon mur est blanc. Est-ce que si je fais comme ça je peux même mettre les secondes, juste comme ça. Incroyable. Si je fais comme ça, est-ce que vous pensez que c'est mieux, non? C'est pas mal hein, comme ça. Voilà. Incroyable. Je n'ai pas vu le chat qui dort. Et eh oui le chat après. Le chat après m'avoir euh, attaqué. Euh après m'avoir attaqué tout à l'heure, il a décidé de, de, de se mettre à dormir comme si de rien n'était. Ça, c'est pas mal. Il est, habile, il est habile aussi pour ça. Alors, attends, un instant. J'essaie de régler un petit peu tout ça. Voilà. C'est réglé. J'ai loupé l'attaque du chat. <laughs> Désolé, Soubac, hein, bien sûr. J'ai été un peu surpris. Mais en plus, il était sur mes genoux et il dormait à moitié. Et d'un coup, il a il aggro, quoi. Donc je l'ai. Euh, je l'ai Et il est immédiatement allé dormir sur l'arbre. Ah oui, oui, après son attaque, il se repose, c'est logique, bien sûr. Euh, et donc voilà, c'est un dossier. Euh, un dossier de Mediapart sur l'extrême droite au pouvoir, le cas italien. Euh, plusieurs articles. Ce qui change ou pas dans un pays dirigé par l'extrême droite, ça, ça date du 5 mai 2023. Et le dernier en date, c'est donc euh, ce que les fascistes italiens pensent du pouvoir d'extrême droite. C'était le 14 mai dernier. Euh, le 14 mai 2023, pardon. Non, le dernier, c'était. Euh... Non, c'est que mai 2023, ne vous inquiétez pas. Euh... C'est pas, bon, euh... pas le bon dossier. Il est où l'autre dossier Ah oui. L'Europe rongée par les extrêmes droites. Voilà, c'est ça. Donc ça c'est le dossier sur différentes euh, c'est le, le, le pardon la sur différents euh, gouvernements d'extrême droite en Europe. Donc il y a un article très intéressant sur euh, la Pologne après le pouvoir de l'extrême droite. Et là on a donc une, une autre censure, l'écrivain Antonio Scurati qui a été censuré d'une émission euh, sur la télévision publique italienne. Donc voilà, encore un autre article sur l'Italie, et on a euh, dépassé légèrement les horaires de 40 secondes, c'est terrible. Euh, je vous propose de passer à l'actualité politique française. Plusieurs articles, un type d'article que j'aime beaucoup, c'est des reportages euh, directement dans certaines régions pour voir comment euh, comment ça se passe pour la gauche notamment. Euh, et là, on est donc à Alès. Euh, ça va être chaud pour notre matricule, nous dit-on. Alors, vous voyez pas très bien normalement le. Voilà. Là, c'est bon. On pas mettre les secondes, c'est beaucoup trop stressant. <laughs> euh... Bien sûr. De l'eau. Mm -mm -mm. À l'aise donc, on va parler un petit peu de la de la campagne des européennes et des articles très locaux sur dans différentes régions où la gauche est pas forcément en position de force. Comment ça fonctionne Ça va être, c'est aussi ça. Euh, L'intérêt de, de ces articles-là, c'est de voir un petit peu au niveau, euh, au niveau local, à des endroits où le, le Rassemblement National est très puissant, comment ça se passe. Là, on est donc à Alès, on est euh, dans un ancien bastion communiste qui est passé un petit, peu au, un petit peu beaucoup au Rassemblement National. À Alès, la gauche face aux assauts du RN, ça va être chaud pour notre matricule. En 2022, une partie de l'ancien bastion communiste est tombée dans l'escarcelle du Rassemblement National. L'insoumis Michel Salah, seul député de gauche du Gard, résiste avec les militants locaux. Qui voit le parti d'extrême droite tisser patiemment sa toile. Donc dans le Gard, on a majoritairement. Alors je regardais les députés du Gard. Qui sont-ils Députés du Gard, liste des députés. Donc six députés. On a euh, six circonscriptions dans le Gard. On a quatre députés RN, un député LFI, donc dans la cinquième circonscription. Euh, et euh, un député Modem. Donc, on a euh, sur 6, 4 députés d'extrême droite quand même. Un député de gauche et un député euh, de droite, centre-droit. Avec le modèle. Donc, c'est Mathieu Dejean qui a euh, écrit cet article. Euh, on est à Alès, Anduze, Ners. Alors, dites-moi euh, si je. Anduze, Ners. Si je dis balle, euh, si je prononce mal les, les, les endroits. Euh, Excusez-moi de vous dire ça, mais vous allez perdre. Bientôt 15 minutes que Paul, militant à la France Insoumise, essaye de convaincre cet habitant d'une tour des Pré-Saint-Jean, quartier populaire d'Alès, d'aller voter pour Manon Aubry aux élections européennes du 9 juin, et voilà ce qu'il récolte. Le vieil homme qui fait face n'est pas hostile, mais sa sentence est sans appel. Paul a pourtant donné en cette fin de journée. Euh, a pourtant, Paul a pourtant tout donné en cette fin de journée. Les riches votent. Imaginez si tous les gens du quartier faisaient de même, mais rien n'y a fait. Oui, ça, c'est euh, le slogan de, de LFI aussi, hein, c'est. Euh... C'est les riches votes, euh, pourquoi pas vous euh. Il y avait aussi un truc, c'était les racistes votes, et, et pourquoi pas vous un truc comme ça Je sais plus que, que, comment ils avaient fait le, le slogan, mais c'était euh, pas mal. Attendez une seconde. Euh... Mais rien n'y a fait. Quelques minutes plus tard, Paul retrouve ses camarades, une dizaine de personnes, pour faire le bilan du porte-à-porte -porte dans une brasserie qui vient de rouvrir. Autour d'eux, les grilles des anciens commerces sont closes et le seul service public de proximité est une agence toujours aux couleurs de pôle emploi qui trône au pied des barres d'immeubles. LFI, c'est de la gauche, c'est plutôt extrême radicale gauche. Ah bah, LFI, c'est... Euh, c'est ultra turbo gauche, giga gauche même, je crois. C'est euh, une nouvelle classification euh, spécifique pour LFI, c'est la giga gauche, on l'appelle. Bien sûr, vous avez raison de préciser ça. C'est très important. Euh... Alors, le café. Au comptoir, euh, Mehdi, le patron, sourit à leurs efforts de mobilisation. Dans les quartiers populaires comme ici, vous n'êtes pas en terrain hostile, mais pour que les gens votent, c'est une autre affaire, prévient l'enfant du quartier âgé de 34 ans. En 2012, ils ont voté Hollande, maintenant ils ne croient plus en la politique, ils cherchent surtout à remplir leur frigo, ajoute-t-il. Donc là on voit les militants de la FI qui font une pause dans, le... dans la brasserie. La photo est stylée quand même. Hein. Noélie Jaco, portefeuille pour Mediapart. Ah elle est cool la photo. Hein. Attendez, je mets la photo en grand. Il y a un mood. Il y a un mood, hein, ouais. ouais. Les militantes et militants soufflent un peu, même ici dans la dernière circonscription de gauche du département, euh, celle de l'insomnie Michel Sala. Leur tâche est ingrate. La circonscription avait été sauvée plus difficilement que prévu en 2022 face au Rassemblement national. La candidate macroniste éliminée s'était refusée à appeler à voter pour faire barrage. On se souvient de toute façon 2022. Il n'y avait pas du tout le, le Front Républicain. Il y avait le Front Républicain. Euh... Alors, je ne sais pas s'il y a des cas de candidats macronistes qui ont appelé à voter pour le RN, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de cas de candidats macronistes qui ont appelé à ne pas voter pour, euh, pour, pour la NUPES. Depuis le Front républicain inversé, l'alliance de tout l'arc politique contre les insoumis, prophétisée par le philosophe Frédéric Lordon, est quasiment devenue la norme. Les récentes convocations de Rima Hassan et Mathilde Panot par la police pour apologie du terrorisme sont une manifestation cinglante de cette mise au banc permanente quand le RN est banalement intégré à l'arc républicain. Autant d'indices qui laissent penser que la lame de fond du vote d'extrême droite n'a pas fini de grossir. Quatre circonscriptions du Gard sur 6 sont déjà tombées dans l'escarcelle du parti de Marine Le Pen en 2022, dont celle qui comprend l'autre moitié d'Alès où le député RN Pierre Merin laboure le terrain. Y compris dans cette terre historiquement très rouge, un passage se fait savoure l'élu jouant par téléphone. Non, de toute façon, même dans les... ce, qui est, ce, qui est, ce qui est un petit peu euh, déprimant, c'est que même dans les endroits où le RN ne laboure pas le terrain, c'est-à-dire des fois où ils sont totalement absents, parce que là, visiblement, le, le gars est présent, mais même des fois où ils sont totalement absents, les gens votent quand même pour l'extrême droite. Hein. Depuis deux mois, il mise beaucoup sur les élections municipales partielles à Pont-Saint-Esprit, euh, la deuxième ville de sa circonscription, le 28 avril et le 5 mai pour transformer l'essai. Son ancien assistant parlementaire est à euh, la tête de liste du RN et lui-même troisième. Ah, attendez, parce que c'était le. L'article date du 27 avril, donc les élections euh, partielles à la Pont Saint-Esprit, c'était euh, le lendemain de la publication de l'article, le premier tour. Euh, municipal partiel Pont Saint-Esprit. La ville du pain maudit. Ah oui, c'est vrai. Pont Saint-Esprit. Euh, L'Outsider L'outsider euh, a battu la mère sortante et le candidat RN. Ah. La liste de Jérôme Bouvier a été élue. Jérôme Bouvier arrive largement en tête en battant la liste de la mère sortante et euh, dépassant de plus de 15 points celle du candidat du RN. Allez, juste, que je regarde. Mais elle est, elle est de quelle partie Jérôme Bouvier. Donc le RN a perdu au premier tour, mais ils ont quand même fait 34%. Hein. Euh... Attends, mais sans étiquette, ça m'arrête sans étiquette. moi, j'aime pas sans étiquette. moi, je veux savoir si les gens sont de gauche ou de droite. il faut les mettre dans les boîtes. donc, droite, ah, sans étiquette, pas forcément. surtout dans les petites communes. il a dit qu'il était pour l'écologie et pour la sécurité. Très bien. Euh, donc, donc, le Pont Saint-Esprit raté. Voilà. Son ancien assistant parlementaire et la tête de liste du RN et lui-même euh, est troisième. Je ne crie pas victoire, mais euh, le gars peut faire tache d'huile. Pronostique Pierre Meurin, qui ne cache pas ses ambitions pour la mairie d'Alès en 2026. Selon lui, beaucoup d'électeurs qui étaient communistes il y a 20 ans votent RN aujourd'hui, ce qui ne l'étonne pas compte tenu des discours de Georges Marchais sur l'immigration. C'est un argument récurrent de l'extrême droite, hein, de reprendre les vieux discours de Georges Marchais, euh, des discours anti-immigration de Georges Marchais hein, qui, qui existent, dit-il, pour faire rager celles et ceux qui, au PCF, affectionnent celui qui en fut secrétaire général de 72 à 94. Quant à LFI, sa perception a changé depuis le 7 octobre, même chez les gens de gauche avance-t-il, tout en ajoutant qu'il ne faut jamais enterrer Jean-Luc Mélenchon. À l'aise coupée en deux entre le RN et LFI figure à petite échelle le fameux combat front contre front anticipé par le candidat à la présidentielle du Front de Gauche en 2012. À la fin, ça se terminera entre Le Pen et nous, disait déjà Jean-Luc Mélenchon en 2014. Une bataille engagée sur un rapport de force désormais nettement déséquilibré. Oui, bon, il suffit de voir les, les intentions de vote aux européennes, effectivement, ça a l'air légèrement déséquilibré. Ouais. Là, on a des, euh, des, tra des tracts du porte-à-porte, -porte, quoi. Je bois de l'eau, excusez-moi. Par bah, contre, effectivement, ne jamais enterrer Mélenchon, je pense que c'est une, euh, une, euh, une, une bonne phrase, ouais. Vu qu'à chaque fois, euh, les gens disent, ah, il saoule, euh, etc., etc., il fait campagne et la campagne, euh, elle fonctionne. Dans les effluves de fumée d'un barbecue improvisé par des jeunes du quartier des Prés saint jean le regard d'Evelyne Herbeau, 76 ans, ne vacille pas pour autant. Effarée par la convocation de Rima Hassan, dont elle trouve les discours très soft, elle tire son chapeau au fondateur de LFI qu'elle a rejoint après avoir quitté le Parti Socialiste. Pour elle, les attaques dont il fait l'objet ne sont qu'un symptôme de plus de la droitisation du pays. L'ancienne directrice du centre social de Saint-Gilles, plus au sud dans le département, sait de quoi elle parle. Elle avait été évincée après l'élection du premier maire frontiste d'une ville de plus de 10 000 âmes en 1989. Depuis, Saint-Gilles est devenu le fief de Gilbert Collard, et le RN s'est largement développé dans un sud-est très bleu marine. Dans l'ombre rassurante du Crassier, l'inamovible terril de la mine de Rochebelle qui surplombe Alès, elle raconte les fermetures successives des mines, aciéries, usines de chaussures et filatures de la ville, et le taux de chômage qui explose. Malheureusement, la misère alimente une colère qui se traduit en désaffection politique, et profite au RN qui nous a débordés, analyse-t-elle d'une traite. D'ailleurs, il y a un... Il y a un comment, un, un article très intéressant dans Mediapart sur les raisons du vote RN. Alors attendez, voilà, un entretien de Fabien Escalona avec le, le chercheur euh, Félicien euh, Faurie qui est sorti euh, hier, intitulé "Dans l'électorat du RN, le racisme s'articule à des expériences de classe". Voilà sur les raisons du vote RN. Je vous mets le lien dans le chat. C'est gratuit. Et je rappelle que bien sûr, abonnez-vous. Du nom également de l'émission euh, euh, animée euh, le lundi à 19h par euh, mes collègues Twitchesques, Tariq et Anna. Les votes de gauche, on vu que c'était grâce aux jeunes, oui, bien sûr. On se souvient de cette étude. Là, on a l'ancien terril de mine. Alors, la photo, j'aime bien aussi. Hein. On a le terril donc appelé Crassier euh, dans cette région, et euh, le pôle emploi devant. Les insoumises et insoumis rapportent toutes et tous des insultes racistes entendues dans leur voisinage. Depuis quelque temps, eux-mêmes se font traiter de bandes d'islamo-gauchistes comme une réplique in vivo des anathèmes dont leurs cadres font l'objet à longueur de journée sur CNews, et auxquels tout militant ou militante de gauche s'expose sur les réseaux sociaux. Disciplinée, la militante, après le porte-à-porte, -porte enregistre sur la plateforme insoumise Talk le nombre de contacts pris ce soir-là. Mais comment lutter face à l'offensive métapolitique, <laughs> métapolitique de longue date de la fachosphère et des médias du groupe Bolloré qui dispense le RN de militer sur le terrain Pour Théo, conducteur de travaux à la retraite et militant LFI à la salle, cette configuration nouvelle commande de ne pas faire de la provocation pour la provocation. La stratégie nationale du noyau dirigeant du parti mélanchoniste le laisse donc dubitatif. Ils ont fait le pari que provoquer pouvait être efficace. Je comprends le raisonnement, mais je ne suis pas un tueur. Je ne suis pas d'un naturel à l'appliquer sans réfléchir. Affirme-t-il. Il se félicite d'ailleurs que le député local Michel Sala ne prête pas le flanc à l'image sulfureuse de LFI. Pour penser que Michel est le diable en personne, il ne faut vraiment, il ne faut vraiment ne jamais l'avoir croisé. Bon, tout, effectivement, certains ne pas convaincus par la strate de LFI. En même temps, vu le contexte, c'est compréhensible que certains disent bon. Euh, je suis pas sûr que ça fonctionne. L'intéressé sourit à cette idée. Donc, euh, Michel Salah l'idée d'être le diable. Alors, je ne le connais pas, lui, je ne sais pas si vous le connaissez. Euh, l'article est bloqué chez moi. Comment ça bloquer, Reggie Lewis, sur sa mec, euh, tu n'as pas accès à l'article car tu n'es pas abonné à Mediapart Peut-être que c'est possible, hein. Euh, ou est-ce que ça le, ça le bloque sur mon écran hum -hum. L'intéressé sourit à cette idée. Dans le théâtre de verdure du parc des Cordeliers, balayé par le vent à Anduze, Michel Salah, 70 ans, n'a rien d'un bolchevique, le couteau entre les dents. Installé dans le village de Saint-Félix de palière dont il a été maire, l'ancien employé de la Caisse d'épargne met à profit sa pose de Sévenol pour aider son fils qui s'installe comme Chevrier. Syndicaliste passé par la Ligue communiste révolutionnaire après un mouvement de grève historique de trois mois en 1976, il a rejoint la gauche euh, éco-socialiste, héritière de cette histoire et pleinement euh, euh, intégré à LFI. Chevrier, c'est euh, gardien, de, gardien de chèvre, je pense. Mmh. Je le connais, c'est effectivement le diable en personne. Il a des pieds de boue qui se balade dans un nuage de soufre. Et il y a toujours un truc, qui... <laughs> un truc qui crame quand il est là. Exactement. Est vrai que C'était un article libre d'accès. Non, non, les articles de Mediapart sont pas libres d'accès, euh, sauf exception. Euh, il faut être abonné à Mediapart. Mais il y a aussi, euh, bien sûr, euh, le tarif de base. Mais il y a aussi des tarifs euh, euh, sans justificatif pour les personnes précaires, qui sont accessibles. Abonnez-vous. Attendez, est-ce qu'on a le, est-ce qu'on a des sons euh, J'ai pas dit abonnez-vous. Ah, faut que je le monte un petit peu ce son. Option changer volume de ça. Ah mais c'est déjà au maximum, tant pis. Ah. J'ai enfin compris que la revue de presse était sur cette chaîne le jeudi matin. C'est un jeudi par mois, c'est le premier jeudi du mois. Vous avez l'émission la... Abonnez-vous Matin, aussi connue sous le nom de euh, Mediapartinal par les, euh, les aficionados. Mm -mm. Donc lui, son parcours LCR, gauche éco-socialiste, héritière de cette histoire, est pleinement intégré à LFI. Il en a gardé une culture du parti qu'il désespère de voir appliquée au mouvement insoumis. Donc ça, c'est des photos de Michel Salah. Elle serait pourtant utile à ses yeux, donc cette culture de parti, pour euh, stopper la progression de l'extrême droite dans le département. En novembre dernier, plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées à son appel dans la petite commune de Kissac après que des tracts de néo-nazis avaient été découverts dans plusieurs boîtes aux lettres. Quant aux identitaires de la Ligue du Midi qui sévit à la frontière du Gard et de l'Hérault, elle est aussi présente dans sa circonscription, comme à Sumène, un petit village où un militant terrorise des habitants de gauche. Il tente d'allumer des mèches, de voir comment nous répondons. Ça c'est nouveau, il ne s'aventurait pas jusque-là avant. L'article sur la... le militant sur, sur Blas qui a été posté dans le, le médiapart de Thierry Vincent sur les nervi identitaires de la Ligue du Midi. Euh... Donc, il tente d'allumer des mèches, de voir comment nous répondons. Euh, ça, c'est nouveau, il ne s'aventurait pas jusque-là avant. L'un des seuls ex-bastions ouvriers qui tient, c'est Saint-Etienne, non Alors, désolé, excusez-moi excusez pour le rire, mais alors, Saint-Etienne, le maire est de droite, Gaël Perdrio. Et, en plus, vous n'êtes pas sans savoir que Mediapart a révélé une affaire sur Gaël Perdrio de chantage à la sextape. Donc, le maire de Saint-Etienne, qui n'a toujours pas démissionné, hein. Euh, a donc euh, été accusé d'avoir euh, été, au, au moins d'avoir eu connaissance euh, d'une affaire de chantage à la sextape contrainte ses opposants politiques donc, euh, donc voilà mais le député est nupes, le député est nupes, ça va mais bon, il y a le député est nupes aussi à Alès là, vous voyez, ça rend pas euh, ça rend pas moins difficile là, ça rend pas moins difficile de fait de militer quoi après c'est vrai que, le, que le, le, les élections municipales les... les, les euh... Élections municipale, c'est un petit peu différent, la raison pour laquelle, pour qui les gens votent. Non. Pour, ré pour y résister, le territoire a des qualités. Une culture protestante qui perpétue la tradition d'accueil des réfugiés, une glorieuse page de l'histoire de la résistance. Le maquis gardois, composé de mineurs communistes, était un des rares à intégrer des républicains espagnols anarchistes et un mouvement disparate de militantes et militants écologistes décroissants ou libertaires, à l'instar de Christian euh, Sunt, membre du mouvement des objecteurs de croissance. C'est une vraie force, peut-être pas politique au sens électoral du terme, mais qui fait de la lutte anti-RN, affirme Michel Salat. Il ajoute à propos de cette cartographie des bastions de gauche, ils ont besoin d'un parti vivant qui puisse transmettre ce qu'ils pensent. Si on s'organise bien, on a encore de belles heures devant nous pour faire barrage au RN. Bon lui il dit il faudrait plus une culture de parti, qui n'est pas vraiment le cas à la FI, et il est pas trop euh... alors c'est pas lui qui, qui parlait de la, la strate de LFI, parce que lui il est député donc il va moins critiquer ouvertement, mais lui il, était, il est plutôt pour une culture de parti, quoi. Force est de constater que cette circonscription montagneuse de 140 villages que l'on traverse en deux heures du nord au sud et d'est en ouest n'est pourtant pas immunisée contre l'extrême droite. Pour Michel Sala, il manque à se creuser une, strat une stratégie d'enracinement local qui a longtemps été négligée par LFI. Ce qui a changé, c'est que le RN se sent poussé des ailes et prépare les municipales comme jamais. Il pense pouvoir être leader à droite, explique le député. Ces stratèges ont compris, comme nous aurions dû le comprendre, que dans la vie politique, il n'y a pas que la présidentielle et les législatives. On a aujourd'hui les moyens de s'installer politiquement dans les territoires, mais il nous reste peu de temps. Bon, au moins, il n'est pas désespéré, c'est déjà bien. <laughs> là, on en est là. Il n'est pas désespéré, il dit on a les moyens de le faire, on peut le faire, il faut plus d'enracinement. Après, le problème, c'est qu'il y a une, une, une injustice entre l'extrême droite et la gauche qui est, qui est toujours la même c'est que l'extrême droite a pour une partie de l'appareil médiatique euh, et le front euh, républicain inversé, là, qui existe depuis, euh, depuis quelques années. Euh, où forcément ils n'ont même pas besoin d'aller sur le terrain, alors que la gauche elle a besoin d'aller sur le terrain. Comme toute la gauche politique et sociale, ils voient la tenaille se refermer sur LFI entre d'un côté la diabolisation à l'échelle nationale, y compris parce que parfois des erreurs sont commises, comme le 7 octobre où, selon l'élu, l'analyse politique aurait été mieux comprise après la compassion immédiate, et de l'autre l'infiltration d'une pensée xénophobe dans les villages où la défense des traditions entre en écho avec le discours euh, du RN. Même si le RN n'est organisé nulle part, un esprit s'installe dans nos villages, s'inquiète Michel Salat. Oui, c'est ça. Ils sont pas enracinés, mais les, les, le discours porte quand même quoi. Afféré à tailler ses oliviers dans le petit village de Ners, Didier Marion abonde. Le porte-parole de la Confédération paysanne du Gard, qui habite sur la circonscription insoumise, observe lui aussi une envolée de l'extrême droite, qui pourrait avoir profité du mouvement paysan de janvier. Au plus fort de celui-ci, les drapeaux de la conf n'étaient pas tolérés sur le barrage ni moi tenu par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de la coordination rurale. Donc les deux syndicats, donc le, le, la FDSEA, c'est l'extension le, départementale de la FNSEA, euh, et la coordination rurale, donc ce syndicat un petit peu bizarre, populiste lié à l'extrême droite en partie. Euh, donc évidemment, le syndicat de droite productiviste et euh, celui d'extrême droite n'allaient pas accepter la Confédération paysanne, qui est un syndicat euh, de gauche. Quand le maire RN de Beaucaire depuis 2014, Julien, Julien Sanchez, y assurait sereinement des distributions de repas. Donc, le mouvement paysan, ils interdisaient à la Confédération paysanne de euh, venir sur les barrages de la manifestation, mais le maire RN euh, de Beaucaire allait tranquillement leur distribuer de la nourriture. Quoi. Donc, évidemment, le mouvement a été à l'avantage de l'extrême droite. Dans ces conditions-là, c'est logique. Il a ramassé des voix pendant le mouvement avec un discours d'émago mais qui portait à porte Didier Marion qui craint une percée de la CR réputée proche du RN, même s'il y a des nuances, donc la coordination rurale, aux prochaines élections professionnelles. La progression de l'extrême droite dans le territoire n'est pas sans lien, selon lui, avec un phénomène décrit par le sociologue Henri Mandras dans son livre La fin des paysans, sorti en 1967. Selon Didier Marion, avant, aucune décision importante n'était prise dans nos villages en dehors des coopératives viticoles qui étaient marquées à gauche. Mais depuis la conversion de ce milieu solidaire et coopérateur au marché mondial, l'agriculture ne structure plus la communauté villageoise. Dans ce contexte, les sociétés de chasse qui ont un, une sociabilité marquée de plus en plus à droite jouent un rôle dans la montée du RN. Intéressant comme analyse. Bah, en fait, ça fait partie de tout ce qui est délitement des solidarités et des lieux de sociabilité, de, euh, de politisation et tout ça, qui euh, favorise l'isolement et cet isolement qui favorise euh, l'exposition euh, aux idées d'extrême droite. Mmh. Le porte-parole de la Confédération Paysanne. Face à cela, il reconnaît que l'image nationale de LFI, dont les adhérents à la Confédération Paysanne sont plutôt sympathisants, n'offre pas toujours le point d'appui idéal entre les purges internes et la recherche du conflit à tout prix. Il verrait d'un bon oeil un renouvellement du leadership national et cite le travail de François Ruffin dans les ruralités picardes. Le projet de LFI sera pertinent quand la moitié de ses députés seront des Rachel Kéké, dit-il rêveusement. Autour. Euh d'un demi de bière dans la cour Mandela du prolé, abréviation de prolétariat. L'emblématique bar appartenant au PCF à Alès. Ah oui, ils ont un bar du PCF carrément. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, d'accord. On est là. Incroyable. C'est comme le camping du PCF à le camping du PCF de Vénitieux, quoi. L'emblématique bar appartenant au PCF à Alès, le communiste Paul Planck, chef de file d'une coalition de gauche locale, l'admet volontiers. Le seuil d'alerte semble atteint. Un temps où, dans les années 90, la section alésienne comptait encore 1500 adhérentes et adhérents, et où Alès était de loin la capitale industrielle de la région. Mais désormais, malgré la renaissance d'une section euh, jeunesse communiste il y a deux ans, l'affaiblissement du parti et de la conscience politique qu'il charrie est patent. Ah, les, les photos sont incroyables, franchement. Euh, la, la, la carrément, la faucille et le marteau sur le mur. Même la grande mobilisation contre la réforme des, retra des retraites en 2023 qui a fait tanguer la France des sous-préfectures comme Alès ne lui a pas profité. Le lien n'est plus fait entre les mobilisations sociales et la politique. Des gens euh, qui sont descendus dans la rue avec nous pourraient voter RN demain, déplore-t-il, alors que pour la première fois, le député Pierre Merin peut offrir une perspective que le RN n'a jamais eue à Alès au municipal. Un crève cœur pour le petit-fils de Paul Planck, un des principaux organisateurs de la résistance dans le Gard. À ses côtés, le secrétaire de la section alésienne Giovanni Di Francesco, fils d'un mineur sicilien, n'emmène pas plus large, même s'il reste combatif. Pour lui, l'installation du RN dans le paysage est aussi produit d'une stratégie du pouvoir macroniste qui a tout fait pour discréditer LFI et diviser une gauche qui avait enfin réussi à s'unir en 2022. Je ne partage pas la stratégie du LFI, mais on pouvait la discuter, défend-il à propos des coups d'éclat parlementaires des insoumis pendant le mouvement des retraites. Au lieu de quoi, le pouvoir a utilisé nos divisions et on est tous tombés dans le panneau. Mais nous ne sommes pas dupes. Si le PCF était devant LFI électoralement, c'est sur nous qu'il s'acharnerait, analyse-t-il. Il faut rompre avec les pratiques anciennes. À 90%, on est d'accord avec LFI. Tous les samedis, on manifeste ensemble pour la Palestine, plaide encore Gio, comme pour conjurer les tendances au repli des appareils. Hmm. Bah oui. En même temps, je comprends que ce soit un petit peu désespérant de, de voir ces divisions, et en même temps, ça a été... Euh... Ça a été efficace, hein, le... le... L'idée de... de diviser la gauche et de diviser la NUPES. La NUPES, finalement, bah, ça, ça... plus personne parle de NUPES, quoi. Le PS est redevenu le PS. Les écolos, bon... Ils, sont plus... ils en parlent plus trop, quoi. Euh, LFI, bah, c'est LFI, quoi. Ils sont, euh... ils sont en mode, bah, euh... C'est eux qui n'ont pas voulu. On part tout seul. Et puis, bah... Le PCF, bah... Le PCF, bon... Euh... Discours national du PCF. Euh, voilà. <laughs> et, euh, et les militants PCF, bah forcément, les militants euh, de base euh, dans les circonscriptions, bah, ils ont un peu la mort, quoi. L'abysse qui sépare les militants PCF et la tête du parti. Oui, après, ils peuvent, ils, ils peuvent avoir voté pour la, pour la ligne Fabien Roussel, mais c'est simplement qu'au niveau local, ils soient dégoûtés, je le comprends, quoi. À quelques encablures de là, la Bourse du Travail d'Alès récemment refaite à neuf. La secrétaire de euh, l'Union locale CGT, Martine Sagit, agente territoriale spécialisée des écoles maternelles à Saint-Martin-de-Valgalgue, euh, euh, est peu ou prou sur la même ligne. Le syndicat enchaîne les formations, manifestations et projections pour sensibiliser aux dangers de l'extrême droite, comme récemment à Béziers, conscient que des électeurs et électrices RN pourraient se nicher jusque dans ses adhérents et adhérentes. Face à l'urgence, elle plaide pour serrer les rangs. On ne peut pas dissocier notre petit coin alésien de ce qui se passe à l'international, où toutes les idées d'extrême droite sont aux avant-postes. Ceux qui votent RN le font sans conviction, mais parce qu'il leur manque une perspective que la gauche n'arrive plus à offrir. À côté d'elle, Alain Martin, membre de la commission exécutive de la CGT et militant à LFI, opine du chef et résume sobrement. Avant, on se battait pour avancer et on gagnait, maintenant on se bat pour ne pas reculer et on perd. Ah, donc ça c'est l'union locale CGT. À Alès, il n'y a bien que les anarchistes communistes de la Rétive, un local juché en haut de la ville qui propose une bibliothèque militante pour relativiser à leur manière. Le vote RN est très relatif, le premier parti de France c'est l'abstention, c'est une toute petite minorité qui vote, ce n'est pas l'hégémonie qu'on croit, note ainsi Laurent, un pseudonyme, un ancien de lutte ouvrière. Évidemment, il a un pseudonyme... Euh... Évidemment, il a un pseudonyme parce que c'est un ancien trotskiste, voilà, c'est pour ça. C pour ça. Euh, militant anarchiste autonome depuis 20 ans. Le collectif n'ignore pas le problème pour autant et se démène pour que l'extrême droite continue de raser les murs dans l'ancienne cité ouvrière, comme le collectif antifasciste Furious Monkeys. Pendant le mouvement des Gilets jaunes, dans, les... dans lequel les réfractaires au vote de la rétif se sont beaucoup investis, ils ont constaté des tentatives de noyautage. Les sphères complotistes qui entretiennent souvent des liens euh, directs avec l'extrême droite ont gagné du terrain à ce moment-là et désormais on les retrouve souvent avec nous et contre nous dans les manifs. Bah oui, en même temps, les sphères complotistes, euh, que ce soit pendant les gilets jaunes ou pendant les confinements, euh, au moment des mobilisations sur le pass sanitaire et tout ça, euh, ces sphères complotistes qui ont souvent des liens directs avec l'extrême droite, j'ai même envie de dire à chaque fois, hein, euh, sont, euh, sont, sont toujours euh, de plus en plus présentes. C'est même pas un pseudo marrant. Ah bah non, c'est des trotskisme, mais c'est sérieux. On n'est pas des pseudo rigolos. Lutte ouvrière, c'est pas rigolo. Hein. On n'est pas là pour avoir des pseudo rigolos. Constate Laurent, sa camarade Nathalie cite la présence de la rose blanche et des complotistes liés à QAnon ou encore celle des survivalistes de Solaris. Parfois, ça me traverse l'esprit de me dire qu'on va finir par être minoritaire et que ça va être chaud pour notre matricule, témoigne-t-elle. Croisée à la manifestation euh, alésienne pour le cessez-le-feu à Gaza, Salima Mella de l'association France-Palestine Solidarité Alès-Sévenne conclut On entre dans un climat qui peut très vite basculer, je ne, je ne nous sens pas assez préparés, il ne faut pas qu'on soit atomisé. Voilà. Qu'avez-vous pensé de cet article, de ce reportage à Alès Est-ce que, euh, est que ça vous a mis à l'aise cet article Ou pas Mais euh, moi j'aime beaucoup ce genre d'article euh, reportage. Sur un petit peu essayer de prendre euh, l'atmosphère, de, de, de saisir l'atmosphère, de prendre le pouls d'un endroit en particulier. Euh... Ça m'a mis à l'aise blaise, très bien. Voilà. Mais j'aime beaucoup ce genre d'article, il, il y en a plusieurs autres, hein, notamment. Euh, il y a un article là, de Cécile Hautefeuille euh, à Béziers, des marcheurs contre l'extrême droite. Voilà. Il y a une marche euh, 23, le 23 avril dernier. Euh, il y avait une marche contre l'extrême droite qui a rassemblé entre 1400 et 3000 personnes à Béziers, le fief de Robert Ménard. Euh, donc, c'est euh, aussi des, des, des articles qui sont intéressants pour voir un petit peu localement les, euh, localement, un petit peu les enjeux et puis les mobilisations qui se font. Pour lutter contre l'extrême droite. Allez, goutte, bien sûr. On parle, on est des, germa des germanistes, des germanisants ici, c'est très important. Allez, goutte. Eh bien, écoutez, on se rapproche, je crois même qu'on arrive à 8h30, eh bien, il est l'heure de passer à la rubrique suivante, passer aux partenaires de Mediapart, ou aurais-je envie de dire avec un petit peu de malice, euh, les médias partenaires Ouais. La euh, Mediapart, vous le savez, euh, ou peut-être pas, mais je vous l'explique, est euh, en partenariat avec plusieurs médias euh, locaux. Alors attendez, il faut que je, même, que je retrouve la liste des médias locaux, comme ça j'en oublie aucun. Désolé, bon. ce n'est pas, pas la méditation euh, dans, 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 euh, dans Abonnez-vous Matin. L'ours de gauche est sur ma chaîne Twitch personnelle, sur la chaîne Host Politique. Il est là-bas. Là, il se repose. <laughs> Euh... Même Mediapart dénonce des complots politiques, donc bof, complotiste égale droite. Dénoncer des complots, ce n'est pas être complotiste. Si vous dites, regardez, il y a eu un complot à Saint-Etienne, vous n'êtes pas complotiste. Complotiste, c'est voir des complots là où il n'y en a pas, et c'est une vision de la société comme s'il y avait une élite cachée, mystérieuse, euh, ou un groupe caché et mystérieux, qui peut forcément être une élite, mais par exemple, ça peut être antisémite, ça peut être les Juifs, ça peut être les francs-maçons, ça, euh, ça peut être le lobby LGBT, etc., etc., qui, euh, qui tire toutes les ficelles, notamment bah, les QAnon. On a l'idée d'un euh, groupe de euh, d'élites euh, pédophiles, etc., qui tirent les ficelles. Donc ça, c'est du complotisme. Juste dire, regardez, on a on a fait un article. Et il y a un complot, à, à, il y a eu un complot à Saint-Étienne et on le prouve avec tel et tel élément. C'était pas du complotisme. La vraie élite n'est pas cachée. La vraie élite n'est pas cachée. La vraie élite, on sait qui c'est. Pas besoin d'inventer des élites cachées. C'est pas mystérieux, voilà. Euh... Mais l'idée qu'il y ait un plan secret, que il y ait. Euh, il y ait bah, ça peut être plein de choses de complotisme en fait. C'est pas non plus hyper facile à définir, mais voilà. Disons que juste révéler des complots, c'est pas du complotisme. C'est même, j'ai envie de dire, le contraire du complotisme vu qu'on révèle du complot avec des preuves, avec des éléments concrets. Euh, très bien. Alors, j'en étais au Média Partenaires. Partenaires, Média, Média Part. de vous trouver la liste comme ça je vous fais un... nos partenaires les partenariats de Mediapart s'il n'y a pas de preuve c'est qu'ils sont très forts exactement ah, c'est un flux RSS ça ça ne va pas euh... on a Mars Actu euh... non, je vais mettre Mediacity refaire comme ça parce que c'est un ça met une page euh... Il y avait un article de 2018, mais peut-être qu'il y, a... peut qu y en a d'autres depuis. Euh... On a Marsactu qui est à Marseille, on a les, art... les différents médias cités. Euh, donc c'est des médias qui sont situés euh, à Lille, Lyon, Nantes et Toulouse. On a euh, aussi, je crois que Le Poulpe, c'est un... un journal qui est euh... en partenariat avec Mediapart. Poulpe, Mediapart, je ne vais pas dire de bêtises. Ouais, un journal d'investigation en Normandie, mais est-ce qu'ils sont partenaires avec Mediapart Oui. Mmh. Voilà, c'est ça. Le Poulpe, un journal normand qui a aussi noué un partenariat avec Mediapart. Donc il y a pas mal de, euh, pas mal de médias euh, locaux d'investigation qui ont noué des partenariats avec Mediapart. Et aujourd'hui, j'ai choisi euh, Mediacité Nantes, bien sûr. Salutations à Nantes et à sa région où euh, on a une enquête sur une dérive de la maison d'enfants de Bethléem, euh, donc les difficultés de la protection de l'enfance. Euh, je crois que Liesloufoc, qui est un militant, euh, peut-être le militant le plus actif sur ces questions euh, de protection de l'enfance euh, en France, qui, euh, qui, euh, qui, qui a tweeté sur, sur cette affaire là. Voilà, c'est aussi, euh, aussi pour ça. Euh, voilà. Alors attendez, Région Bretagne, Région Bretagne, bien sûr, la, la Bretagne historique. La Bretagne historique. Euh, je vais faire le tweet de Liesloufoc. Il est là, incroyable. Comme quoi, ça fonctionne. Je vais juste voir s'il avait fait un tweet dessus. Euh, dysfonctionnement de la ze. Ta ta ta. Ah voilà. Oui, euh, il a partagé ça, Liestoufok, euh, qui, euh, qui est donc euh, militant sur la, sur la protection de l'enfance, euh, qui a fait un taf énorme, notamment pour faire pression sur le gouvernement pour qu'il en fasse plus pour, euh, pour, euh, pour, protéger, euh, pour protéger les enfants. Euh, protection de l'enfance, donc... Euh, il a partagé cet article en disant violence sexuelle, enfants entassés dans des campings ou des Airbnb, personnel non formés, burn-out, 72 enfants placés dans un foyer géré par des religieux sont en danger. Les élus et l'ASE de Loire Atlantique n'ont euh, conduit aucun contrôle malgré un déficit de 800 000 euros. Et je rappelle que l'ASE, donc la protection de l'enfance, euh, l'aide sociale à l'enfance, est euh, gérée par les départements et pas par euh, l'État. Euh, directement. Donc c'est géré par les départements. Donc il y a des grandes variations aussi de qualité d'accueil en fonction des départements. Il y en a où ça se passe très bien, d'autres où ça se passe très mal. Et là on est sur une institution qui est en plus une institution religieuse euh, qui, est gérée, qui gère une partie de la protection de l'enfance. Donc c'est un, un article de Margot Magny donc, qui travaille à MediaCitizenLampe, donc euh, partenariat de Mediapart. La vénérable institution concentre toutes les difficultés du secteur. Enfants parfois logés en camping à l'encontre de toutes les règles. Violence entre jeunes, administration inadaptée, des religieuses, sans oublier le manque de moyens et de bras, qui est un petit peu quelque chose de assez endémique hein, dans la protection de l'enfance. Plusieurs mesures qui ont été annoncées ces dernières années, sans que ça suffise à, à changer quoi que ce soit, malheureusement. Nantes, dans le quartier verdoyant du Petit Port, où coule paisiblement le sens. On dit le sang ou le sens. Dans le doute, je prononce la lettre à la fin, parce que le problème, c'est que la, bret la Bretagne, c'est le plus difficile quand même, hein. Euh, globalement la, la région euh, historique euh, <laughs> historiquement bretonne les prononciations elles changent euh, tous, les, euh, tous les 5 kilomètres vous avez des, des, des règles de prononciation différentes, excusez moi bien sûr hein, c'est pas une attaque euh... <laughs> le sens le sens euh, le sens, la bâtisse de l'institution Bethléem se cache derrière de hauts murs de pierre, un cadre idyllique qui enferme pourtant bien des secrets Séduite dès son arrivée par cet environnement, Elisa Célestin Giallo, éducatrice spécialisée, a finalement décidé de le quitter le 31 janvier dernier après y avoir exercé euh, deux ans. Elle démissionne après avoir ressenti une incapacité à protéger les enfants accueillis. Je dis aujourd'hui aux jeunes que je pars, ça va être dur, souffle-t-elle, avant d'entamer l'une de ses dernières journées de travail les yeux cernés. Pour elle, tout commence en novembre 2021. Cette Marseillaise s'installe à Nantes pour changer d'air. Sur internet, la photo d'une grande demeure et la promesse de participer à l'épanouissement de l'enfant en soulageant sa souffrance et en soignant ses blessures la font répondre à l'offre d'emploi postée par la maison d'enfants à caractère social mais dès sa prise de poste lors du réveillon de Noël de la même année, elle déchante. J'ai travaillé 8 jours d'affilée sans pause. Légalement, c'est 6 jours maximum, ça annonçait la couleur. Effectivement, bon, déjà 6 jours c'est beaucoup mais 8 jours d'affilée sans pause, c'est euh, assez vénère. Donc ça c'est l'entrée du centre. Effectivement, c'est bucolique. Hein. En Loire-Atlantique, 7800 mineurs relèvent des services de la protection de l'enfance, souvent à la suite de violences familiales ou de problèmes psychiatriques des parents. La maison d'enfants de Bethléem fait partie des 12 MECs dédiés à leur accueil dans le département. Elle reçoit jusqu'à 72 enfants euh, âgés de 3 à 16 ans. Ces maisons peuvent être gérées soit par une fondation privée, soit par une association, euh, soit par le service public. Maison d'enfants à caractère social, hein, je rappelle l'acronyme. Dans le cas de la maison d'enfants de Bethléem, il s'agit d'une association vieille de près de, de 120 ans, dont le conseil d'administration est composé exclusivement de religieuses. Le Carmel Apostolique, congrégation à laquelle elles appartiennent, a été reconnu en 1862, après qu'un prêtre du diocèse de Nantes, Gilbert Bonus, a recueilli deux orphelins puis les a confiés aux sœurs carmélites de la ville. Le groupe d'enfants s'est ensuite agrandi les sœurs vivent désormais sur place aux côtés des membres de l'équipe éducative. Mais n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur, alors que c'est elles qui ont le dernier mot sur les décisions qui concernent la structure, assure Elisa Célestin Diallo, qui encadrait des enfants âgés de 8 à 12 ans. Donc il y a des sœurs, mais en fait elles ne gèrent pas les enfants, mais elles gèrent les décisions par rapport aux enfants. Très bien, un petit peu bizarre hein, comme, comme organisation, si je, si je puis me permettre de faire une remarque. Les premiers jours, elles travaillent avec trois intérimaires non formés et recrutés pour pallier le manque de personnel dont souffre le secteur. Le rythme est si éreintant que les titulaires les surnomment les mercenaires, en référence aux soldats étrangers venus prêter main-forte à une armée en temps de guerre. Ah oui. D'accord. <laughs> Donc ils disent, on va engager des, on va engager des mercenaires euh, pour euh, s'occuper des enfants. Déjà, ça pose l'ambiance. Les mots utilisés et puis la façon dont, euh, dont ça fonctionne, ça pose un petit peu une ambiance quand même, hein. effectivement. À l'hiver 2021, en plus du rythme de travail effréné, Elisa fait face à une autre désillusion, pardon, elle ne travaille pas au sein de la grande bâtisse aperçue sur l'annonce, mais dans des locaux provisoires à quelques kilomètres, le temps que des travaux de rénovation soient effectués. Ensuite, tout le monde a trouvé refuge dans un camping. C'est pas ouf, déjà. Déjà, les, 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 les placements à l'hôtel, c'est censé être interdit, et ça arrive encore souvent, mais les placements au camping, c'est encore le niveau au-dessus, quand même. Les sœurs nous ont dit qu'on pouvait emménager, mais les travaux n'étaient pas terminés, alors on a logé au camping de la Moronière-Petit-Port pendant un mois, c'était au moment de la rentrée des classes, les enfants étaient 10 dans chaque home et très perturbés, dit-elle. Un hébergement interdit par la loi pour l'accueil des jeunes de la protection de l'enfance, comme évoqué la semaine dernière dans cette enquête de notre partenaire Mediacité. Donc une autre enquête que je vais ouvrir. 10 enfants dans un mobile, ouais, ouais, ouais. Euh, la protection de l'enfance de l'Oire Atlantique à l'agonie, c'est une enquête de Mediacité. Donc c'est aussi des articles abonnés, moi bon, j'ai pas d'accès pour le coup. Contrairement à Mediapart, un site auquel je suis abonné. Abonnez-vous. À Mediapart, vous êtes abonné ou pas Abonnez-vous à Mediapart une fois le déménagement effectué, c'est dans un turnover incessant de personnel qu'Elisa Célestin Jalo dit avoir dû gérer plusieurs situations difficiles sans le soutien des responsables de service. Un adolescent a commis une agression sexuelle sur un autre enfant il est passé du groupe 1 au groupe 3, le mien, contre l'avis de mon équipe qui demandait un véritable suivi. Je me souviens encore l'éducatrice spécialisée de la colère dans la voix. On m'a demandé de prendre sur moi et il a fini par récidiver dans notre groupe en agressant une enfant de 11 ans. Alors que pourtant, c'est des problèmes qui sont connus dans la protection de l'enfance, des enfants qui commettent des agressions euh, sexuelles, vu que bah, c'est souvent des enfants qui ont eux-mêmes été confrontés à des agressions sexuelles ou à des viols. Euh, c'est pas comme si c'était des événements euh, malheureusement exceptionnels. Euh, pourtant, on a plein de cas où ça se passe dans. Euh, euh, soit euh, il n'y a pas de suivi, soit l'enfant est replacé avec d'autres enfants alors même que ça les met en danger. Donc c'est euh, quand même euh, malheureusement quelque chose qu'on euh, qu a, qu a pris l'habitude de lire et qu'on pas dû, euh, qui ne doit pas devenir habituel. Mais là, c'est apparemment aussi le cas. La fragilité euh, des systèmes d'astreinte l'a aussi fait fuir. Un jour, j'étais en difficulté avec un jeune qui venait de me mettre en danger en tirant sur le frein à main alors que j'étais à 110 km/h sur l'autoroute pour l'emmener à son rendez-vous. Quand j'ai appelé l'astreinte, l'ancienne directrice m'a dit qu'elle ne se déplaçait pas, rien n'a ensuite été fait. Raconte celle qui est encore marquée par l'événement. Oui, ben en même temps, moi aussi je serais marqué par l'événement, je pense, ouais. ouais. En deux ans, sur une trentaine de salariés, Elisa Célestin Diallo dit avoir vu passer une vingtaine de démissions, dont quatre directeurs. Elle recense aussi six burn-out, dont celui de sa chef de service, sans qui son groupe a dû fonctionner pendant deux mois. Aujourd'hui, euh, pour accompagner les enfants décemment, plus de 15 professionnels manquent à l'appel, sur l'éducatrice. Parmi ces travailleurs abîmés, Ludivine et Christophe ont quitté la maison d'enfants de Bethléem il y a un an. Ils y accompagnaient les plus jeunes, des enfants âgés de 3 à 6 ans. Contrairement au groupe d'Elisa Célestin Giallo, leurs espaces de vie n'avaient pas été rénovés. Certains murs étaient noirs de crasse et la peinture était abîmée, se souvient Christophe. Le directeur de l'époque, M. Raffin, nous a dit qu'il comprenait qu'on ait honte de travailler ici. Liés d'amitié, Ludivine et Christophe se sont lancés dans l'achat de meubles neufs sur leur temps personnel. D'autant que les lieux sont aussi marqués par la présence des sœurs dont les pratiques sont souvent inadaptées à celles des enfants. Là-bas, une chapelle accueille leurs cérémonies et leurs sépultures. J'ai déjà vu un cercueil passer dans les espaces communs des enfants pour atteindre le cimetière des sœurs au fond de la cour. Les plus jeunes en avaient peur, raconte Ludivine, encouragé par le regard de son confrère. Bon, euh, évidemment, c'est pas un environnement hyper euh, euh, agréable pour des enfants qui euh, bah, ont déjà des histoires de vie. Je rappelle que les enfants qui arrivent là-bas ont déjà des histoires de vie difficiles. C'est des enfants qui ont été placés pour, pour, des, pour des, des raisons. Il n'y a pas de moyens, il n'y a pas beaucoup de place. Donc vous, vous doutez bien que les placements, parfois il y a des enfants qui auraient vraiment besoin de placements et qui sont pas placés. Donc les enfants qui sont là, c'est vraiment qu'ils ont déjà beaucoup de problèmes en arrivant là-bas. Ils arrivent là-bas et en fait d'autres problèmes s'accumulent avec euh, devoir habiter au camping, euh, des agressions sexuelles et en plus euh, une ambiance un petit peu particulière avec des cercueils qui passent au milieu d'eux. Des... Bah, forcément euh, c'est forcément, pas évident quoi. À l'intérieur du bâtiment, une grande salle était elle encombrée par des jouets offerts à l'association catholique par des personnes qui voulaient faire la charité, explique Christophe, qui a fini par entreprendre un gros tri afin d'offrir de l'espace aux enfants. Avec les jouets, les vêtements des plus petits étaient aussi issus de dons. Dans les 200 euros accordés par le département par jour et par enfant, il y a la nourriture, notre rémunération ou encore le logement, mais une partie doit aussi être consacrée à la vêture. Ah, Je n'avais jamais vu le terme vêture. Euh... J'ai fait de l'aide aux devoirs dans cette maison quand j'étais étudiant il y a 10-15 ans, j'ai pas souvenir de choses aberrantes, mais je suis peut-être passé à côté de choses. Oui, ou peut-être que quand tu y as été, le... il y avait des moyens, hein. c'est possible aussi, mais ben, c'est fin que le... la situation soit dégradée. Parce qu'il y a aussi des endroits où ça se passe bien, heureusement, mais... Euh... mais c'est très très... Euh... Les situations peuvent être très très variables d'un département à l'autre, et même d'une structure à l'autre. Mmh. Euh, « Pourtant, nous n'avions accès qu'aux vêtements offerts, mais ils étaient souvent datés et les enfants ne s'y sentaient pas bien, se souvient-il. Tout était défaillant et c'était la croix et la bannière pour que les sœurs acceptent d'investir, confirme Ludivine, il dit avoir laissé une partie d'elle en quittant les enfants de la structure à contre-cœur. » ont endroits que ça se passe bien, on ne fait pas d'article. Il y a des reportages, des fois, mais bon, le, le, le but aussi, c'est de... Le but de la presse, c'est de dire quand ça va pas et de dire « faut résoudre ce problème-là parce que là, ça se passe pas bien ». C'est un peu le truc feel good, c'est cool aussi de montrer des endroits où ça se passe bien, mais disons que l'intérêt c'est surtout de dire, regardez, bah, l'aide sociale à l'enfance, elle dysfonctionne énormément. Quoi. Rencontré par euh, euh, Mediacité, 5 professionnels actuellement en poste pointent aussi le manque de moyens pour accompagner les enfants porteurs de troubles psychiatriques, souvent incapables de vivre en, co de vivre en collectif. Actuellement, au moins deux jeunes sont ballottés de Airbnb en Airbnb car ils sont trop dangereux pour eux et pour les autres. L'un d'eux a déjà menacé une éducatrice avec un couteau. Il ne pouvait pas rester. Sauf que c'est à nous de lui trouver un logement. Ça prend du temps et nous donne une surcharge administrative. On Regrette une stagiaire de l'établissement scolarisée à l'association régionale pour l'institut de formation en travail social. Moi, bon, je pense que pour les enfants qui ont des problèmes si lourds, il y a aussi assez peu de solutions qui sont proposées. Soit ils se retrouvent à aller d'hôpital en hôpital et de, de foyer en foyer. Euh, soit, bah, eh ben, ils sont ils sont foutus dehors quoi. Au bout d'un moment. Mais vraiment le euh... Euh, vraiment le côté euh, le côté des enfants, on dit ah bah c'est euh, cet enfant là on sait pas quoi en faire, là des Airbnb quoi, carrément. Il est balancé dans un Airbnb, donc en plus je suppose qu'il peut pas y avoir quelqu'un avec lui en permanence pour le surveiller. Euh, voilà, c'est euh, aussi une aggravation du problème. Loin d'être la solution idéale euh, pour les enfants porteurs de troubles, cette mise à l'écart est pour l'heure la seule issue qui s'offre aux travailleurs sociaux pour assurer la sécurité de leur groupe. En cause le manque de place dans les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques ou euh, instituts médico-éducatifs. Les IME hein, euh, euh, pour les enfants avec des problèmes psy notamment, euh, il y a très très peu de place. Hmm. Récemment, euh, pourtant, la présidente du conseil d'administration de l'institution, Sœur Catherine Chastre, qui n'a pas souhaité répondre à nos questions, a demandé au personnel de limiter la mise à l'écart des jeunes avec pour objectif de faire des économies. On va faire des économies évidemment sur la sécurité des enfants. Accompagner un enfant individuellement implique le recrutement d'éducateurs intérimaires trop coûteux pour la maison d'enfants, dont le déficit budgétaire s'élève à 800 000 euros, selon plusieurs de ses travailleurs sociaux. Un moyen d'encadrer, on le lira après. Pour ces mises à l'écart, l'institution fait appel à des remplaçants éducatifs via la plateforme Remus, sur laquelle près de 80% des remplaçants sont non diplômés, admet Pierre, ancien éducateur spécialisé, aujourd'hui gestionnaire de la plateforme. Aussi un autre problème... Euh, forcément c'est le, les, les compétences des personnes qui sont censées s'occuper des enfants, la question euh, de personnes qui ne sont pas diplômées, qui sont pas éducateurs, qui embauchent un peu n'importe qui, ce qui peut aussi créer des violences sur les enfants, forcément vous prenez quelqu'un, euh, même, si, même avec la meilleure volonté du monde, vous faites appel à quelqu'un qui n'est pas formé face à des enfants qui peuvent être, euh, qui peuvent être violents et agressifs, euh, et bien ça peut très mal se passer, et vous pouvez aussi embaucher des gens qui n'ont pas la meilleure volonté du monde et qui sont... Euh, des personnes qui ne devraient pas travailler avec des enfants. Bref, il y a énormément de problèmes euh, par, rapport à, par rapport à ça. Mmh. Euh. Donc, lui collabore avec la maison d'enfants à caractère social depuis plus de 4 mois. Ils sont dans l'urgence à tous les niveaux, déplore-t-il. Quand l'un de nos éducateurs vient chercher un enfant sur site pour l'accompagner hors du collectif, il est obligé de le faire avec sa voiture personnelle car ils n'en fournissent pas, ce qui est pourtant obligatoire. Et d'ajouter, on doit aussi leur faire penser à la nourriture pour les enfants. La nouvelle directrice en poste depuis novembre semble vouloir bien faire mais est débordée par les événements. Face aux impayés de l'institution, Remus envisage de rompre toute collaboration avec la maison d'enfants de Bethléem. Si certains éducateurs en poste auprès d'adolescentes et d'adolescents disent avoir une équipe stabilisée, 8 avouent vouloir continuer à exercer en protection de l'enfance mais dans une autre structure. La mainmise des sœurs sur la prise de décision des équipes éducatives les empêche de s'y projeter sur le long terme. On voulait faire une fresque sur un mur avec les enfants pour créer une activité et mettre de la couleur dans les locaux parfois sinistres et ça a été refusé. Déplore par exemple une éducatrice spécialisée qui a intégré la euh, MX à la rentrée. La maison d'enfants à caractère social. Du côté du conseil départemental. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le conseil départemental aussi. Où ils étaient eux, pendant tout ce temps. Ils ont popé. En charge de la protection de l'enfance, on reconnaît que le secteur de la protection de l'enfance est exigeant et que ce n'est pas un monde de bisounours. Voilà, ça c'est de la bonne communication, bravo. Ouais, la protection de l'enfance c'est pour les bonhommes, c'est pas pour les faibles. Pour autant, Claire Tramier, vice-présidente de la collectivité chargée des familles et de la protection de l'enfance, affirme ne pas avoir reçu de signalement particulier quant à la situation de la maison d'enfants de Bethléem. D'ailleurs, les contrôles de ces structures par le département ne sont pas obligatoires, en même temps, si vous contrôlez, vous risqueriez de trouver des trucs, évidemment. Deux ou trois établissements sont contrôlés aléatoirement chaque année, décrit l'élu qui n'a pas connaissance du dernier contrôle opéré à la maison d'enfants de Bethléem. Les secrets cachés derrière l'enceinte en pierre de l'institution ont encore de beaux jours devant eux. Et il est 8h50, incroyable Donc ça c'était la lecture de l'article sur les dérives de la protection de l'enfance à Nantes, avec un média partenaire de Mediapart, le média partenaire bien sûr, euh, cité Nantes, euh, qui est donc euh, euh, signé par Margot Magny. Et puis on termine. On pas inquiet ne serait-ce que d'un trou de 800 000. Qui n'a pas un petit, euh, un petit déficit de 800 000 euros Ça arrive, tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Et bien on passe à la dernière rubrique pour, la, pour terminer la, les conseils de la rédaction. Alors, on a plusieurs, euh, plusieurs enquêtes. Euh, on a plusieurs conseils de. Euh, des équipes de Mediapart, pas forcément de la rédaction d'ailleurs, puisque la première recommandation c'est Hélène Vandenbilke, j'espère que je le prononce correctement, qui est la DRH de Mediapart, qui euh, vous propose euh, en partage cet article de Street Press. Non, c'est la dernière rubrique, c'est des, euh, des gens qui travaillent à Mediapart qui vous proposent des articles qu'ils ont aimés en dehors de Mediapart. Voilà, on propose d'autres médias, hein, Street Press, euh, je vais mettre en mode lecture. Euh, un article de Street Press, donc, euh, qui est conseillé par euh, la DRH de Mediapart, Hélène Vandenbilke, euh, derrière les tags islamistes dans une école de Quimper, des cambrioleurs qui voulaient nuire aux musulmans. C'est pas de l'actu trop là c'est pas de trop -lo -tro locale, non, effectivement. Deux hommes ont été arrêtés pour le cambriolage et la dégradation d'une école catholique privée de Quimper. Ils avaient couvert les murs de tags islamistes pour nuire aux musulmans. Et Hélène euh, Vandenbilke qui nous dit « J'ai beaucoup aimé cet article de Street Press et j'ai trouvé ça un peu plus glauque que d'habitude. <laughs> » Pour moi, c'est tellement symbolique de la logique de bouc émissaire, effectivement. Ce qui euh, euh, ressemble à un fait divers, effectivement. En fait, il avait utilisé l'islamophobie pour justifier des faits euh, de cambriolage. C'est pas mal. Euh, « Les graffitis islamistes dans une école avaient été apposés pour nuire aux musulmans. » Le jeudi 11 avril euh, au matin, stupeur au sein de l'école privée catholique Saint-Charles de Quimper dans le Finistère. Au cours de la nuit précédente, des individus se sont introduits par une fenêtre coulissante mal refermée et ont couvert les murs euh, de plusieurs classes et d'un couloir de tags à caractère islamiste entre guillemets. Des dizaines d'inscriptions réalisées au marqueur rapport France, France bleu euh, Braise Izel. La police est appelée sur place et la direction de l'enseignement catholique finistérien porte plainte, détaille Ouest-France. Les enseignants et une poignée de parents volontaires ont rapidement nettoyé les tags et les enfants ont pu rejoindre les salles de classe dans la matinée. Euh... Ce jeudi 25 avril, aux environs de 3h du matin, les policiers interpellent un homme cagoulé et ganté alors qu'il sortait de la même école, rapporte à Street Press une source policière. Placé en regardant en même temps, voilà bon. Cagoulé et ganté en sortant de l'établissement à 3h du matin. Le mec est pas méga discret, si vous voulez. La tentative de cambriolage de cette nuit-là mais aussi être l'auteur des graffitis islamistes découverts deux semaines plus tôt, il confesse avoir agi avec l'intention de nuire aux musulmans. Dans la foulée, il lâche le nom de son complice présumé qui a également été interpellé et placé en garde à vue. Les deux hommes reconnaissent le caractère islamophobe de la démarche, mais aucun lien avec un groupuscule ou un parti d'extrême droite n'a pu être établi par les forces de l'ordre qui ont ouvert une enquête pour tentative de vol aggravé et incitation à la haine. Bon, bon ils sont fait arrêter. Écoutez. Ça pas très bon, euh, pas très bon, ouais. pas très bon en, en opération de déstabilisation. Bah il a balancé son pote, ouais, voilà, c'est ça. Vraiment des génies. Euh... Autre conseil euh, de euh, la rédaction cette fois-ci, c'est Redija Zerwali, journaliste à Mediapart, qui nous conseille un article du euh, Bondi Blog avec euh, un petit texte. Donc euh, l'article pour exister enfin dans le débat public. Des militants lancent l'Assemblée des quartiers, un article de Hervé euh, Inopé pour donc le MondiBlog. Est-ce euh, que si je dézoome, ça marche un petit peu Ça marche un petit peu. Euh, qui écrit ce texte, dans le marasme actuel, la création de l'Assemblée des quartiers redonne un peu d'espoir. Une initiative collective qui vient des quartiers populaires pour reprendre la parole qu'on ne leur laisse pas. L'objectif donc, c'est euh, création d'un euh, parlement des quartiers qui rassemble les représentants des assemblées locales. À ce stade, il ne s'agit encore que d'une proposition de structuration qui sera amenée à évoluer. Euh, donc voilà, on parlait tout à l'heure des trucs positifs. Bah voilà, quelque chose de positif dans un article. L'Assemblée des Quartiers, juste mettre un petit F9. Voilà. Euh, ah, c'est marqué Dunia Dimou comme, euh, comme autrice. Et là, c'est marqué Hervé Inopé. Que se passe-t-il là C'est mystérieux ce qui se passe. Ça change. Euh... Ça change la plume de l'article quand, euh, quand on met le mode lecture. Ah, mais c'est parce que c'est pas le bon, le bon article, c'est pour ça. Bon, je vais laisser comme ça, c'est pas grave, même si c'est un peu petit. C'est parce que c'est pas le même article. En fait, ça, quand j'ai appuyé sur F9, ça a changé d'article. Des militants issus de divers mouvements de quartiers populaires ont lancé l'Assemblée des quartiers ce samedi 27 avril à la Bourse du Travail à Paris. Ils aspirent à être enfin euh, considérés dans le jeu politique. Reportage. Sur les coups de midi, une centaine de personnes se retrouvent à la bourse du travail près de la place de la République à Paris, des drapeaux palestiniens et sud-africains font face à l'assistance au-dessus d'une large banderole floquée l'Assemblée des quartiers. L'Assemblée des quartiers se veut autonome et indépendante des partis et forces politiques traditionnelles. Son lancement ce samedi 27 avril réunit différents collectifs et acteurs euh, bien connus des quartiers populaires pour leur combat contre les violences policières ou les inégalités. L'événement compte notamment Youssef Brakni du collectif Adama, Zounia Medour, militante associative et politique, Salah Amokran, coordinateur général de l'association Tactique Collectif à Toulouse, ou encore Mohamed Meshmash, fondateur de la coordination nationale Passe en nous L'ambition de cette assemblée est posée d'emblée, exister collectivement, s'engager euh, politiquement. Parce que nous refusons de déléguer notre pouvoir à ceux qui ne nous représentent pas, nous appelons à la création d'une assemblée des quartiers qui sera un espace d'affirmation à la fois politique, sociale et culturelle, appellent les fondateurs. Dans cette optique d'union, la jeunesse tient un rôle central. Dans, le Dans leur journal, les fondateurs écrivent La jeunesse de nos quartiers mérite notre engagement total car c'est de notre avenir à tous qu'il s'agit. Cette initiative remonte en réalité à l'élection présidentielle de 2022. A l'époque, le collectif On s'en mêle avait été créé pour faire entendre les revendications des quartiers. Pour y parvenir, il avait soutenu la candidature de Jean-Luc Mélenchon, le chef de la France insoumise. Ce dernier avait largement profité du vote des quartiers. À l'issue du euh, scrutin présidentiel, le euh, constat a conduit les militants des quartiers à dépasser le collectif On s'en mêle vers un cadre plus large de réflexion et d'action. Voilà, ouais, donc bonne nouvelle en création d'un mouvement collectif euh, des quartiers. Euh, je vous mets le lien dans le chat, j'ai pas mis le lien d'ailleurs de l'article de Street Press. Je poste tout ça. Je poste aussi l'article de Street Press. Vous avez les liens. Et ce n'est pas tout, puisqu'il y a un troisième, euh, un troisième conseil de la rédaction. On est, euh, est euh, gâté en termes de conseils. C'est Donatien Huet qui nous euh, propose un article. Alors, un article en anglais. Voilà. Donatien qui me fait euh, traduire de l'anglais à 8h57 du matin. Mais euh, un travail impressionnant pour documenter de Bellingcat, le site d'investigation. Pour documenter l'ampleur de l'urbicide, donc la destruction du. Euh, construit des constructions euh, des villes, quoi, à euh, Gaza, un travail en source ouverte. Euh, nous sommes devenus addicts aux explosions. Euh, L'unité de euh, l'armée israélienne, des IDF, c'est euh, Israeli Defense Forces. Je vais dézoomer, pardon. Voilà. Euh, L'unité des forces armées israéliennes responsable de la démolition de maisons euh, dans tout Gaza. Et donc, l'article propose avec des sources ouvertes. Euh, Regardez-moi ça, c'est incroyable. Voilà, c'est en libre accès en plus. Hein. Et là, vous voyez, euh, euh, 20 jours après, plus que, euh, après que plus de 1100 personnes ont été tuées euh, dans les attaques du Hamas le 7 octobre, les forces de défense israéliennes ont lancé une offensive terrestre à Gaza avec l'objectif. Affiché de détruire le Hamas et de ramener les otages à la maison. Euh, à la date du 12 avril, plus de 33 000 personnes ont été tuées à Gaza selon euh, les rapports de euh, l'ONU. En réponse à l'offensive des armées euh, israéliennes, la Cour internationale de justice a, euh, a annoncé des mesures pour prévenir le génocide. Euh, les attaques euh, totalement euh, étendues et systématiques sur des euh, maisons euh, de civils et sur l'infrastructure à Gaza ont été décrites comme des domicides, donc de euh, cide, le, le meurtre et domi la, les, les maisons, quoi, par le professeur euh, Balakshiranan Rajagopal, qui est euh, le rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à un logement décent. Il nous a dit, euh, même avec les attaques contre des euh, bâtiments individuels, euh, tout euh, bâtiment qui a été euh, bombardé ou détruit doit être évalué légalement, euh, que ce soit un... un immeuble ou que ce soit un coin de rue qui doit, être qui, a, qui doit être détruit ou non. Euh, le, euh, la charge incombe aux forces armées israéliennes de montrer qu'ils ont, euh, qu ont des preuves que cette attaque est proportionnée et nécessaire. Il est estimé qu'environ euh, que plus de 50% des immeubles de Gaza ont été détruits ou endommagés et qu'approximativement ap 1,7 million de personnes ont été déplacées depuis que l'offensive a démarré. Bellingcat a travaillé avec des partenaires comme Scripps News pour euh, enquêter euh, sur le euh, domicile à Gaza et sur euh, les effets que euh, le euh, conflit en cours a sur le, la terre dans la bande de Gaza. On peut voir le documentaire complet. Et là, vous voyez qu'en euh, qu descendant, on voit la carte s'afficher. Euh... Et on voit euh, donc les euh, informations sur les destructions. Là, vous voyez le zoom sur la carte, vous voyez Gaza. Avec la vieille ville, et on voit des exemples d'immeubles de, qui sont détruits avec le, le, la vidéo de la destruction. Donc, vraiment des travaux en source ouverte assez impressionnants. Euh, et l'article est disponible en libre accès, donc c'est le con conseil de Donatia Huet. Bellingcat, qui est un site il euh, y a, globalement, je vous le mets le lien également dans le chat. Est-ce que je ne me mettrai pas en grand format bonjour, je suis gigantesque euh, Parce qu'il est déjà 9h et il est plus que temps euh, de, euh, de se quitter. Euh, non, sans quelques petites annonces, bien évidemment, puisque euh, la chaîne Twitch de Mediapart euh, est, euh, de retour, sera de retour lundi à 19h avec Tariq qui reçoit Rosane Le Carboulec, qui est journaliste indépendante et qui a notamment euh, fait des piges pour Mediapart et qui est spécialisée euh, dans les questions LGBTI. Elle a écrit un livre Les Humiliés. Euh, voilà, et donc euh, l'émission qui sera présentée par euh, Tariq s'appelle euh, Offensive transphobe vers une nouvelle manif pour tous. Euh, cette euh, cette émission-là, ce sera donc à voir lundi à 19h. D'ailleurs, petite actualité euh, du week-end euh, il y aura euh, à, euh, le samedi 4 la marche lesbienne à Paris et le dimanche 5 une grande marche contre la transphobie dans toute la France. Donc, tous ces, euh, ces événements-là, c'est euh, à suivre ce week-end et ce sera à débriefer lundi à 19h sur la chaîne Twitch de Mediapart. Pour ma part, je vous retrouve mardi matin à 7h pour la matinale sur ma chaîne Twitch. Host politique, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi euh, cette euh, média partinale. dabonnez vous le matin, euh, je vous souhaite une excellente journée et je vous propose et eh bien écoutez un petit raid sur du jeu vidéo. Voilà pourquoi pas pourquoi pas faire un raid, euh, un raid chez un, un, un streamer jeu vidéo. Voilà on aime on aime le jeu vidéo aussi évidemment. Je vois' voir quel... mais regardez le chat il est derrière moi on le voit il est Abonnez-vous. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, mais je crois que je n'ai rien oublié. Euh, pas de live demain. Si, je fais un live demain, bien sûr, demain après-midi. J'ai totalement zappé le live du, du, du vendredi. On se retrouve demain à midi pour le live de euh, la pause de midinal. Voilà, donc on se retrouve dès demain et ensuite mardi à 7h. Merci de me rappeler mon propre emploi du temps. <laughs> euh... Qu'est-ce qu'on peut faire comme... On peut faire ça, ouais, on va faire ça. Très bien des travaux. Euh, non, normalement les travaux, là il n'y a pas de travaux ce matin, donc peut-être que c'est terminé. Ils avaient annoncé fin des travaux fin avril. Ça a l'air d'être respecté pour l'instant, on ne sait pas. Hein. On ne sait pas, c'est assez mystérieux. Mais euh, je vous remercie en tout cas encore une fois d'avoir assisté à cette euh, matinale médiapartesque et je vous dis, euh, ben, moi à demain et euh, à lundi 19h sur la chaîne Twitch de euh, Mediapart. ce sera avec Tariq. Voilà, bonne journée tout le monde, salut, salut.